dans exactement 10 minutes. Et voilà, mesdames et messieurs, notre émission commence dans exactement 10 minutes. Encore une fois, c'est l'habitude, c'est la coutume ici à Téléimage, nos émissions en direct, en live sur nos différentes plateformes. Les plateformes Facebook de Téléimage, Valério Saint-Louis et Téléimage, vous êtes branchés, n'est-ce pas? Et puis aussi les plateformes YouTube, vous êtes branchés sur les pages YouTube de Téléimage. Nous allons dire tout à l'heure bonsoir et bienvenue à ceux-là qui sont déjà branchés et qui commencent à nous rejoindre sur la toile. Et nous allons saluer aussi nos amis téléspectateurs, puisque Téléimage, rappelez-vous, c'est une émission de télévision qui passe sur différents réseaux câblés de la zone métropolitaine de New York. On commence donc dans 9 minutes. C'est le moment de venir vous inviter, amis internautes, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-vous confortable devant votre récepteur internet ou bien votre récepteur télé, puisque cette émission, encore une fois, se présente en formule de magazine télévisé pour vous informer, vous former et vous divertir, encore une fois, depuis nos studios ici à Long Island, New York. Nous vous retrouvons à travers le monde et certainement sur le petit récepteur télé. Vous êtes branchés Téléimage, cette émission qui commence maintenant dans 8 minutes exactement, car nous sommes toujours à l'heure. Nous sommes à l'heure à cette émission, puisque la ponctualité, c'est important d'être ponctuel. La ponctualité est de mise. Donc, n'a pas dit tout le monde qui commence à monter. Nous allons saluer tout à l'heure. Merci pour ça. Commencez à monter. Émission commencée. Alors, que dis-je? Émission pour vous commencer. Mais là, c'est le moment que nous venons inviter. Remarquez que son émission est différente des autres. Avant l'émission commencer, nous venons inviter. Nous faisons le devoir pour nous venir inviter. Parce que c'est important pour nous inviter de façon formelle et correcte. Donc nous vous invitons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tout le monde qui brèche, pour nous brècher Téléimage justement. Ça que brèche 10 autres, puis vous brèchez même tout. Nous avons gardé là 2-3 personnes qui commencent à monter timidement. On attend quand même le grand public, les habitués d'ailleurs de cette émission, qui vont nous rejoindre sur nos pages YouTube et sur nos pages Facebook. Donc tout à l'heure comme ça, nous allons commencer. Rappelez-nous que l'émission, pour commencer, c'est invité que nous venons inviter aujourd'hui à une belle émission de l'autre fois encore pour vous. Téléimage en live depuis New York. Justement de me fixer, de me mettre à point, parce que écoutez, hein, c'est une émission correcte, il faut bien faire ce qu'on fait. Donc on s'est mis à point pour vous présenter cette émission d'aujourd'hui encore une fois, et c'est sûr que vous êtes aussi bien branchés, ceux-là qui sont du côté de New York, on va vous saluer tout à l'heure, puisque New York commence à monter là, les habitués de cette émission, et certainement nous pourrons saluer pile monde qui branché du côté de Port-au-Prince, Haïti. Nous ou non là, monde ça nous connaît, c'est en Haïti que lié, dans la zone Port-au-Prince. Dans la zone Vivi Michel, dans la zone Tujo, Bourdon. En tout cas, nous brecher, merci pour ça. Alors,
Alors, laissez-moi vous rappeler que je tiens siège pour Barbara. Barbara Saint-Louis, qui est la présentatrice titulaire de ces émissions Téléimages. Depuis quelques temps, Barbara est devenue titulaire, mais ça fait quand même quelques temps que Barbara ne siège pas devant cette caméra pour vous présenter ces émissions. Je ne sais pourquoi. Elle est peut-être que. Elle n'est pas encore à la retraite, non. Barbara, pourquoi pas en retraite, lui? Barbara va grand monde, ça va. C'est une jeune dame, Barbara. Il est pourquoi à la retraite dans Téléimages? Non, il n'est pas à la retraite dans Téléimages, puisqu'il y a full force et dans Team Saint-Louis et puis dans la parfumerie de Barbara. Bon, écoutez, je sais que Gapil nous a demandé pour Barbara. Depuis semaine passée, nous avons dit est-ce qu'on a pris Barbara semaine ça. C'est sûr et certain que Barbara après fait nous le plaisir pour paraître tête-lui. Nous souhaitons que le cas paraît tête-lui, mais paraît toute tête-lui, toute quoi-lui même dans l'émission ça. En tout cas, excusez l'absence de Barbara une fois encore, puisque c'est mon devoir de la remplacer sur ce siège de Téléimage. Donc je remplace Barbara aujourd'hui encore une fois, juste pour vous rappeler que c'est Barbara la titulaire de cette émission, et ça fait nous annoncer, nous dit Téléimage, oui, Barbara Saint-Louis. Mais m'a tout dit nous que aujourd'hui, pour raison technique, nous pas connecté avec Studio Nona Queens, Gary Altidor ne sera pas avec nous, donc aujourd'hui je serai solo avec vous, amis téléspectateurs, amis internautes, donc m'a invité nous déjà à commencer et mettez-nous confortables à l'aise, parce que nous sommes, c'est moi-même avec nous, donc one on one, you and I, me and you, for nice edition, nice show again today. Une émission intéressante, comme d'habitude. On va parler de choses importantes, de choses sérieuses, comme toujours. Et puis, on va essayer de divertir un petit peu. J'espère qu'aujourd'hui, on va essayer d'insérer un peu de divertissement à cette émission. La semaine dernière, on a voulu le faire. On n'a pas pu le faire, mais peut-être qu'on aura assez de temps cette fois-ci pour le faire. J'espère. On va voir. On va voir ça. Donc, je rappelle encore une fois, pour des raisons techniques, Gary ne sera pas avec nous, ne pas connecté avec le studio Nuna Queens. Et Barbara n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je suis avec vous. Donc, on commence dans 4 minutes. Est-ce que nous là, est-ce que nous commençons à brancher? Bon, moi, nous, messieurs, dames, where are you? On va saluer le beau monde qui a l'habitude d'être avec nous. Les habitués, les réguliers de cette émission. I'm waiting for you. C'est le moment de vous inviter. Comme toujours, c'est 10 minutes avant l'heure. Alors, laissez-moi déjà vous dire qu'aujourd'hui, nous allons du côté de l'Europe. On va faire un petit coup de pied du côté de l'Europe. On va visiter, et bon, pas forcément visiter, mais on va parler avec quelqu'un qui se trouve du côté de l'Europe, précisément dans la ville Lumière. C'est Paris, la ville Lumière. On ira en France. De la France, nous allons tirer dans la zone la Turquie. Nous allons tirer dans Istanbul. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, le titre de l'émission a déjà dit pourquoi, mais nous allons entrer dans le détail pour vous. Tout à l'heure, ça, lorsque l'émission va commencer dans exactement 3 minutes. C'est un compte à rebours. Et pendant ce compte à rebours, je profite pour vous inviter encore une fois. C'est le moment pour m'inviter, nous. Tout le monde à la ronde des invités. Je vais saluer toutes les messieurs, dames qui ont même vaudouisant qui branchent l'image. Un gros bobo pour tous vos douisans qui branchent l'image dans Queens, notamment dans Brooklyn. Et pourquoi pas dans Long Island, tout, vous branchez. Merci parce que vous branchez, messieurs, dames. Et au grand yo, mambo yo, kanzo yo. Bien, on ne va pas parler forcément vaudou aujourd'hui, mais je vais saluer nous à Ibobo pour nous toutes. Vous êtes branchés l'image. Pas non plus de saluer nos amis francophones, notre ami Amadou qui est du côté du Sénégal, branché Téléimage. Alors Amadou est à New York du moins, mais les francophones, les Sénégalais, on vous salue vous aussi. Merci de choisir Téléimage quand même pour rester connecté avec, j'allais dire l'alma mater, mais ce petit coin de terre qui fait partie de l'Afrique finalement, Haïti, ce morceau de l'Afrique qui se trouve dans les Antilles, n'est-ce pas? Donc merci à tous nos amis africains, les francophones branchés, les Canadiens qui sont eux aussi branchés du côté de Manhattan, New York. Merci tout le monde. Ok, voilà, on va commencer tout à l'heure. Là, c'était le moment de vous inviter. Laissez-moi vous rappeler que Téléimage, c'est important de le faire. C'est important de savoir que Téléimage, c'est aussi et surtout une émission de télévision qui, depuis des années, dessert la communauté haïtienne de la zone métropolitaine de New York, de New Jersey, un peu partout. Et puis voilà, un format live sur Facebook. Donc là, c'est le direct sur les pages, sur les réseaux, sur la toile. Nous sommes donc sur nos pages Facebook, Valerio Saint-Louis, sur ma page personnelle. Alors, il faut dire que Valerio Saint-Louis, c'est Valerio S-A-I-N-T-L-O-U-I-S. Donc, l'autre Valerio Saint-Louis, tout, qui sont page tout sur Facebook, mais nous pas émettre sous lit, et puis nous émettre tout sur page Téléimage, qui dit même
sur Facebook et nous avons quelques monde qui commence à monter là sur page télé image là qui sur Facebook et puis nous sur page YouTube nous TV Image c'est deux pages aussi que nous avons dans plateforme YouTube là mais c'est TV Image c'est là que nous branchons. On commence dans quelques instants amis internautes amis téléspectateurs. Je vous dis merci encore une fois d'avoir choisi Télé Image pour passer une heure deux bonnes heures de d'information et de formation avec vous. On va essayer de se détendre en début de l'émission, on va essayer, on va voir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous ne serons pas avec Barbara Igarigati-Dor pour des raisons techniques. Nous ne serons pas avec notre studio depuis Queens, New York, mais ça, rassurez-vous, ils font partie de l'équipe de Téléimage. Ils sont dans la cuisine de Téléimage et vous faites partie de la famille de Téléimage. Je rappelle encore aussi que vous êtes les meilleurs internautes du monde parce que vous êtes branchés, vous commencez à vous rejoindre à nous. Nous commençons à monter là, maintenant dites-nous, continuez, partagez. Partager live là, c'est du direct, c'est en direct. Donc, s'il vous plaît, partagez avec moun qui eux même beaucoup connaît, beaucoup branché Téléimage. Voilà, il est l'heure de commencer. C'est l'heure, c'est l'heure. Donc, on y va. Est-ce que nous là? Alors, attachez vos ceintures. Mettez-nous confortables. L'émission commence. C'était le compte à rebours pour commencer cette édition de Téléimage aujourd'hui, encore une fois. Ça commence maintenant. Là maintenant, je peux dire bonsoir, bonjour s'il le faut, bienvenue à vous autres amis téléspectateurs de l'autre côté du récepteur télévisé et certainement bienvenue à nos amis internautes branchés sur la toile à travers le monde. Bienvenue tout le monde dans l'émission ça. Nous branchons à la ronde badet, merci parce que nous choisissons l'image, nous pas commencer l'émission ça. Je rappelle d'abord et tout de go, nous commençons l'émission ça, même tout dit nous que jeudi à nous pas bien plaisir. Gain et Studio Queens nous qui c'est certainement qui sous commande Gary Altidor ne sera pas avec nous juste pour des raisons techniques, simplement pour des raisons techniques. Barbara elle non plus ne sera pas avec nous malheureusement, mais sachez que Téléimage est là pour vous informer, vous divertir et certainement vous informer. C'est ce que nous allons faire. Donc cette émission d'aujourd'hui, au sommaire, d'abord le sommaire de cette émission avant de saluer les amis internautes qui commencent déjà à nous rejoindre sur nos différentes pages, sur les différents réseaux de Téléimage, notamment la page Facebook de Téléimage et la page YouTube de Téléimage. Merci à tous ceux-là. Au sommaire donc de cette émission aujourd'hui, nous allons du côté de l'Europe, je l'avais dit tout à l'heure, nous allons visiter et au du moins nous allons parler à quelqu'un qui se trouve du côté de la France et plus précisément du côté de Paris. On va voir, on va être précis dans quel quartier qu'elle se trouve à Paris ou si toutefois qu'elle est en banlieue, on verra. C'est Madame Naomi Jean-Baptiste. Naomi Jean-Baptiste qui déjà a collaboré avec Téléimage, a commencé à collaborer avec Téléimage. Elle sera donc le visage, si vous voulez, le micro et les oreilles de Téléimage du côté de la France, de Paris. En tout cas, dans la zone où se trouve la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne quand même très dense du côté de la France et particulièrement à Paris. Donc Naomi Jean-Baptiste pour aller faire des reportages, pour aller couvrir pour nos communautés ça, pour faire nous connaître qui genre question est. Son jeune de grand segment qui était commencé dans Téléimage, qui était relé le tour du monde de nos correspondants. On avait notre correspondant du côté du Chili. Nous tapons CES, il était capable de correspondant du côté de la République Dominicaine. Et voilà, du côté de la France, nous gagnons Naomi Jean-Baptiste. On va parler à Naomi Jean-Baptiste, différentes activités que l'a mené dans la zone ça. Qui elle est, sa présentation sera donc officielle sur Téléimage. Et puis, deux, trois reportages qui ont été commencés faits pour nous. Nous allons regarder ensemble avec les qui jouent la communauté haïtienne à bouger dans la zone, la France en général.
Et puis nous parlons, j'aime te dire tout à l'heure là, nous parlons arriver dans la zone la Turquie. La Turquie, c'est parce que nous avons des frères et sœurs haïtiens qui collés, qui bloqués dans le pays la Turquie, plus précisément dans la ville Istanbul. Istanbul dans le pays la Turquie, côté que il y a un gros problème. Il y a un gros problème dans ce moment-là, il y a une difficulté, ça, nous allons regarder qui s'allie. Une interview réalisée déjà, ça fait, nous réaliser déjà l'interview, ça, nous allons présentons l'interview ça sous téléimage, vous pouvez regarder sous téléimage, peut-être que vous voyez déjà, puisque nous avons réalisé l'interview ça pour VOA Creole. VOA Creole qui a partagé avec téléimage l'interview ça que nous avons fait avec des ressortissants haïtiens qui bloquaient dans la zone Istanbul, la Turquie. Qui ça a fait là? Pour qui ça a eu atterri Istanbul? Pour qui ça a eu dans le pays la Turquie, un pays qui n'est pas facile pour vivre, d'après ça, vous faites nous connaître. Il y a une difficulté, je vous dis, à ce qu'a aidé, nous demandons, mais longer mes baillots. Mais il s'adresse surtout au gouvernement haïtien. Il a demandé aide au gouvernement haïtien pour Ottawa, si le gouvernement est capable d'aider eux-mêmes tout. Parce que, j'aime te dire tout à l'heure là, m'a répété, ses compatriotes sont vraiment en difficulté. Nous parlons pour qui ça et qui gens. Et puis à cette émission, on va certainement parler d'un petit peu ce qui a marqué l'actualité et en Haïti, c'est sûr. On va passer et en survol avec ce que nous avons retenu pour vous qui a marqué l'actualité du côté d'Haïti, du côté du monde en général et des États-Unis. Surtout bon, ici, nous allons regarder ensemble avec vous qui ça que qui marquait l'actualité, qui ça que nous retenu pour aujourd'hui, jeudi, à qui ça lié. Vous allez voir ensemble avec nous qui j'en ça y est. Bon, ici, là, dans la cour New York et à travers le monde. Voici le goût de cette émission aujourd'hui. Donc, comme toujours, nous avons toujours un plaisir de recevoir vous-même, qui c'est téléspectateur ou internaute. Et nous allons saluer un peu le monde qui est déjà branché du côté de notre page YouTube. Nous allons sur la page YouTube. Nous allons saluer Betty Badio. Nous allons saluer Betty Badio, M. Hector Meda, qui est même du côté de. C'est ça? Caroline du Nord, oui. Branché Caroline du Nord. M. Marcel Denis. M. Marcel Denis, qui est toujours branché du côté de la Georgie, Georgia, Ralph Fontaine. Et puis Edwidge Garrière, branché elle aussi, David Missor, ou en République Dominicaine, pas vrai, République Dominicaine, Rosemarc Gay, qu'on salue avec plaisir, et certainement on n'oubliera pas de saluer du côté de la Floride, Madame Jaffna Larose, qui est toujours branchée, dit par Jean-Marie ton émission, d'ailleurs si je ne parle pas dans la live là, je m'oblige à inquiéter parce que c'est un pas capable de téléimage, merci Jaffna d'être branché. On saluera aussi M. et Mme Dupiton du côté de Manhattan, New York. Et puis sur page Facebook, nous, certainement Astrid Walsh et les autres qui sont branchés. Parfait jaloux, et monde que je ne peut-être pas saluer. Même après, c'est fait possible de me saluer tout le monde qui est branché. D'ailleurs, bon fait, je devrais d'ailleurs ne pas faire de particularité. On salue tout le monde qui est branché à la One Badder sous téléimage. Merci parce que nous branchés sur page Facebook, nous. Merci parce que nous branchés sur page YouTube, nous. Vous êtes bien branchés, rassurez-vous, accrochez-vous. Émission a commencé déjà. On salue les sponsors, commanditaires qui permettent que l'émission ça arrive faite. S'il vous plaît, les nouveaux sponsors, commanditaires, eh ben, supportez tout, pas seulement juste garder sport, garder annonce, mais servir avec service que vous offrez nous. Utilisez produits, supportez sponsors qui ont même supporté Télimage, puisque Télimage c'est votre émission, donc les sponsors font partie de cette émission. Ils rendent possible cette émission Télimage. Merci encore une fois aux sponsors. On salue les sponsors, non, mes amis. This edition of Téléimage is brought to you by Cambria Meat and Seafood Market, un supermarket 100% haïtien qui vend tout produit la caille. Bon Jean du riz grand pampan, tout produit grand pampan. La lo n'a joué l'ambi pendant toute année à toute saison. Yo gagne un spécial deal pour tout restaurant, spécialement restaurant haïtien yo. Yo fait delivery et puis yo vend nous en gros à bon prix. Rele Cambria Meat and Seafood Market dans 718 977 1011. Yo gon spécial oui pour tout restaurant haïtien yo. Cambria Meat and Seafood Market. Also brought to you by Hope, Haitian American United for Progress. Hope cap servi communautaire depuis année 1975. Nan Hope wap jwenn tout service communautaire pour tigre moun nou yo. Service garderie, service immigration, classe ISL. Rele Hope nan 718 527 37 76. Yo gen deux offices, yon nan Queens, yon nan Brooklyn. Hope 718 527 37 76. Brought to you by Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by... Relais Sécurité, 305-892-0680. Ecosécurité, c'est une compagnie de sécurité moderne qui a des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans la défense et protection VIP, dans la foule, dans la situation difficile et zone hostile. Bodyguard, gardiennage, Sécurité à Bausa, propre. Sécurité, dirigé par Maître Michelin Nestor.
also brought to you by Belle Image Graphics. 516-292-4400. For all your marketing, printing and graphic designs, Belle Image International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belle Image Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Also brought to you by Good Taste Restaurant in Flatlands, Brooklyn. Good Taste Restaurant in Brooklyn, c'est deuxième restaurant Good Taste qui l'ouvre dans la cour New York. Gen yon nan Queens, gen yon ki nan Flatlands Avenue dans Brooklyn. Restaurant ça standard, kap servi bon manger cuisine haïtienne la caille. Bon manger kap servi, toute qualité manger. Et puis nos standards internationaux. Bon qualité, restaurant bel, li propre. Good Taste Restaurant in Flatlands, il dans 5919 dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Téléphone 718-709-9717. Good Taste Restaurant in Flatlands. 718-709-9717. Brought to you by the Real Estate Power Team. Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis. 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by BarbarasPerfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. BarbarasPerfume.com. Located at 1925 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into BarbarasPerfume.com. Click shop and buy. We ship all over the US. BarbarasPerfume.com. 516-805-2318. Branchez Téléimage chaque dimanche à partir de 9h du soir. Sous page Facebook, nous, sous page YouTube, nous. Téléimage avec Barbara Saint-Louis, Gary Altidor et Valerio Saint-Louis. Branchez, partagez live là. Bienvenue à nous toutes qui branchez à la Ronde Badé à travers le monde sous Téléimage. Alors je vous rappelle encore une fois aujourd'hui, je suis seul avec vous, je suis sur la table de commande de cette émission Téléimage en solo. Donc vous excusez l'absence de Gary Altidor et de Barbara Saint-Louis, je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui je tiens siège pour Barbara Saint-Louis et pour des raisons techniques, simplement des raisons techniques, nous ne sommes pas, Gary Altidor ne sera pas avec nous. Alors il faudra aussi parler, alors je veux de façon particulière en commençant cette émission à tout seigneur, tout honneur, je voulais saluer et... Madame le consul général d'Haïti à New York, bien que elle est à un poste, à son poste, par intérim, de toute façon, c'est la chef de service à intérim, c'est Madame Marie-André Ami. Je rappelle qu'elle est le consul général de la République d'Haïti à New York, en poste de chef à intérim. Nous la saluons parce que elle a fait part des images de des avancements, si vous voulez, du bon travail qu'elle fait, je me permets de le dire, parce que déjà, madame, merci de nous faire savoir que déjà 683 passeports ont été reçus pendant la semaine. Et oui, et c'est une chose à noter, et je partage avec vous cette information qui sortit directement du consul général à lui-même, que Nabgadé là, qui était nos tours, on se rappelle, la semaine dernière, nous avons visité le consulat d'Haïti à New York. Et madame le consul nous a fait le plaisir de nous présenter son staff. N'a regardé là, il était dans un bel tour de consulat, nous t'ai visité et consulat en long et en large, tout département de consulat nous t'ai visité ensemble avec madame Ami qui est le chef de poste AI, consul général donc de New York. Mais là, c'est une information que je pense qui est importante. Pour plein de monde qui tape plein que pas qu'a joindre passeport, monde évidemment qui t'a même dit télé images des relais nous même pas dans téléphone qui t'ai parlé dans micro nous qui t'ai dit nous que bah là pas bon même dans consulat parce que yo pas qu'a joindre passeport, il y a monde qui t'a payé des passeports en urgence du bagage ni après 7-8 mois. Et à noter que nous même tout nous trouvait que c'était pas sérieux d'abord du consulat d'Haïti à New York. Mais rassurez-vous, là dans moment là, c'est ça que nous avons montré où l'image ça est, son côté que je pense que c'était important pour montrer que nous déplacé à rencontrer avec le consulat lui-même. Et justement, madame Marie-André Ami, consul général, là, fait nous connaît que le consulat a travaillé. Elle t'a dit d'ailleurs dans l'interview, nous sommes j'ai interview que nous avons avec le consulat la semaine passée.
il t'a parlé des efforts que le consulat a fait pour desservir la communauté à large, communauté qui est en bas juridiction, pour être capable de joindre passeport rapido presto. Et madame le consul, ils vont en texte, 683 passeports ont été délivrés pendant cette semaine. Pourquoi pas, nous dit bravo à consulat, madame a mis fait qu'entrer dans le consulat après pas même deux mois, il commence à travailler d'arrache-pied ensemble avec l'ambassade dans Washington, il a été têtu ensemble pour desservir frères et sœurs haïtiens qui besoin de passeport, qui pas de cas joindre. Et qui journée aujourd'hui a passé, il y a très satisfait, très content qu'on ait que 683 passeports qui est arrivé, bien que semaine passée à consulat parlé dont a fait de 400 passeports qui étaient déjà arrivés à destination, c'est-à-dire nous-mêmes qui gain passeport nous que nous avons besoin que nous avons déjà commandé payé pour les soit en urgence ou bien en régulier. Rele consulat pour nous connaître si passeport nous là et consulat lui-même, il dit ça tout, il t'explique ça dans tout que le banon n'a pas appelé madame la consulte expliquer nous. Clairement, n'a regardé là ensemble avec nous côté que il t'a dit nous que consulat li gain un service de shipping, nous t'allé dans le département shipping là côté que vous et passeport baou la caillou, mais consulat t'est pas allé tout, il t'a dit que problème li gain valeur yo c'est que en pile passeport que vous et baï et ben postulat yo moun qui t'est appliqué pour passeport yo, passeport ça retourné dans le consulat. Donc consulat t'est déploré le fait que passeport ça malheureusement les yo fait shipping là, yo payé d'ailleurs pour shipping là, ou shipping qui yo payé je crois pour un frais de $20 malgré que nous payons pour shipping là, et ben soit nous pas la caille nous, soit adresse pas de bon, soit c'est pas adresse là. De toute façon, passeport ça a été retourné dans le consulat, nous songeons nous te fait tout là avec consulat. Avec consul Bettina tout là voilà, que n'a gardé là justement qui est au service de consulat tout lui-même. Dans le département passeport et dans le département shipping là, il t'a expliqué problème ça, elle t'a mentionné, il t'a même noté problème ça voilà. N'a pas entré dans le département shipping là avec consulat, l'a montré nous là. Mais enveloppe FedEx que consulat a servi avec lui pour voir passeport ba nous, nous-même qui appliqué pour passeport. Justement, n'a regardé là, c'était tout ça que consul ami madame la consul Tebanou n'a rappelé que nous en dedans consulat d'Haïtien qui dans Manhattan dans deuxième avenue dans Manhattan New York, là nous en dedans département shipping là, l'a expliqué nous justement ça me t'a parlé tout à l'heure là, passeport que nous-mêmes nous t'ai appliqué pour yo, passeport yo vini en dans consulat, yo voyo la caille nous, n'a regardé là, son lot passeport qui retourné en dans consulat et consulat t'a expliqué nous ça très clairement, passeport ça retourné malheureusement, yo voyo le ba nous par FedEx et nous payer. Nous sommes dit tout à l'heure là, nous payer une somme de $20 pour frais puis vous voyez le bas nous la caille nous malheureusement campine là nous qui peut-être pas là les FedEx déposer parce que faut comprendre son document important il y a pas pas là quel concert n'importe là bas nous parce que faut en main et remettre nous passeport ça document ça donc laisse ça pas fait voilà passeport retourner en dedans consulat c'est ça que consulat expliquer nous là. C'est ça que le t'ai montré nous semaine passée nous t'ai fait un petit tour ensemble avec consul Bettina et consul général là qui saute montrer nous qui j'en ça y est donc l'expliquer nous en clair problème là donc problème là journée aujourd'hui à li et armé de courage avec certainement le support de l'ambassade d'Haïti à Washington avec tout staff là dans consulat moi avec deux yeux pam mesdames messieurs dames il faut dire il y a travail d'arrache-pied puis au desservi communautaire c'est comme ça que encore une fois tout parler en pile ça c'est pour encore une fois bah nous bonne nouvelle là. Consulat écrit nous les innovateurs Valerio, annoncé communauté, bye nouvelle pour moi, 683 passeports en dedans consulat, donc nous-mêmes qui t'ai passeport, nous que nous t'apprenons, passeport arrivé, mes amis. Merci encore une fois au consulat d'Haïti à New York et certainement à madame le consul, consul Marie-André Ami qui travaille pour communauté. Voilà, nous allons avancer dans notre programmation. Avant de prendre la pause, il faut quand même saluer un commanditaire à cette émission. Ça, c'est un gros morceau commanditaire. C'est d'ailleurs une compagnie sœur, puisque c'est une compagnie qu'on dit. Donc, c'est frère de Téléimage. C'est Belle Image. Belle Image, justement, qui célèbre 25 ans, 25 années pour Belle Image. Pour un business en dans la communauté haïtienne, fait 5 ans, 10 ans, c'est gros causé. Mais aujourd'hui, pour passer 5 ans, bon, ok, ou à l'aise. Mais dans la communauté haïtienne, nous tellement qu'on est un business difficile pour nous faire avec propre frère et soeur haïtien, et pour des raisons que vous savez tous, eh bien, c'est bon, bah, facile. Mais là, un quart de siècle, c'est gros causé, oui. Donc, c'est chapeau bas pour Téléimage. Pardon, pour Belle Image, j'allais dire. Chapeau bas pour la compagnie Belle Image. Bon, Belle Image et Téléimage, c'est même bas, donc, vous comprenez déjà. Donc, je salue mes frères, Vanilo, Vanesse, toute famille qui campait des belles images qui permettent que Belle Image journée aujourd'hui a célébré 25 ans. 25 ans, c'est pas 25 jours, mes amis. Donc nous-mêmes qui habitués à servir avec Belle Image, si nous pouvons servir, si nous pouvons joindre service dans mes Belle Image, font un petit coup de pied garder, nous pourrions passer ce sport en pouvoir, nous pourrions dire happy 25th anniversary, why not? Eh bien, relez-le, dis-le ça. Relez-le pour vous faire souhait
de 25 ans. C'est pas facile dans la communauté. Donc si nous-mêmes, nous sommes businessmen, nous connaissons pile business. Messieurs, dames, promoteurs, artistes, diazio, qui ont fait flyers dans notre image, promotion, que nous avons fait pour business, pour différents services que nous avons fait. Messieurs, dames, belle image, il y a 25 ans, oui. Donc c'est le moment pour le cadeau, belle image. Là. Et les bio cadeau parce que 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Bravo, belle image. Mais pendant que je demande nous pour une belle image cadeau, belle image, même a banou cadeau en retour. Pour 25 ans, ça, belle image a banou 25% rabais sur tout service que bail en dedans. Belle image communication, qui est dans Elmont, Long Island, New York. Bravo, messieurs. Messieurs Saint-Louis, Vanilo, Vanessa et toute l'équipe de belle image. Happy 25th anniversary, belle image. 25 years for big. Yes, Belle Image International Group Creative Designs. Pour célébrer les 25 ans de la compagnie Belle Image, dès aujourd'hui, recevez 25% de rabais sur tous les services. 25 ans, 25% rabais sur tout service Belle Image. Leur placez commando sous Pajoa, qui c'est belleimage.com. 25% rabais sur tout article promotionnel. Graphic design, business cards, brochures, flyers, booklets, magazines, enveloppes, tentes, tickets pour événements. Drapeaux, cartes de souhait, t-shirts, sachets pour business nous. Labels pour nous mettre sous produit que nous avons vendu. Tout net à 25% rabais dès pour commander sur site internet là, belleimage.com. Get 25% off when you shop online at belleimage.com. PI 25% pour 25 ans Belle Image. Pas oublier, allez sous site web belleimage.com. 25 years for big. Belle Image International Group. Encore une fois, happy 25th anniversary, Belle Image. Bravo, Belle Image. Donc, tout le monde qui est habitué à servir avec Belle Image après 25 ans, Belle Image charge à clients haïtiens, bien que grand pile clients étrangers et tout. Belle Image qui est très content, très fier que arrive à faire crossover dans la communauté en général. La communauté ça cap servir avec Belle Image pour différents articles de promotion. Si nous avons business, nous promoter business là, et bien nous connaissons grand pile messieurs dames. On nous dit messieurs dames qui ont fait business crème. Yo. Oui, c'est crème pour faire quoi nous belle. On nous dit comme ça, entre guillemets. Eh bien, nous servir avec Belle Image pour faire lab, les bols, couverture produit, les fait pour nous, flyers nous, banners nous. Et puis, monsieur Balio, promoteur même, Belle Image servi. Nous servir avec Belle Image, donc vous savez, si nous t'oubliez, Belle Image, il y a 25 ans, il y a un business. Donc, s'il vous plaît, al salut Belle Image, et salut PDG Belle Image, qui c'est monsieur Vanilo Saint-Louis. Félicitations encore une fois à Belle Image. Et maintenant, la pause, avant d'entrer dans la programmation. Pas oublier que pour ma programmation, je viens aujourd'hui, je suis seul à vous présenter cette émission. Je rappelle, même Abdino, que nous allons faire tirer les sur actualité, à qui ça marque actualité. Non, dans le monde en général, dans la cour New York et en Haïti, nous parlons de l'heure ensemble avec vous. Et juste après, nous allons aller en France avec notre invité qui est déjà en stand-by. D'ailleurs, très tard pour les gens qui sont en Europe, les gens qui sont en France, nous imaginons qui le fait là dans ce moment-là. Madame Naomi Jean-Baptiste qui sera avec nous, c'est le nouveau visage, si vous voulez le micro, les oreilles de téléimage du côté de la France. Nous allons voir ça comme ça. La pause, juste après, on revient. La parfumerie de Barbara, a chic little boutique located in the heart of Baldwin, Long Island, New York, where you can find the most exotic French perfumes for both men and women, and also for the little ones. Yes, boys and girls have a nice choice of perfumes at La Parfumerie de Barbara. Située au 1935 Grand Avenue à Baldwin, Long Island, La Parfumerie de Barbara vous apporte la ville de Paris dans toutes ces bouteilles de parfums que vous regardez. Toutes les grandes marques, les grands noms de couturiers et designers français s'y trouvent. Sans oublier les produits cosmétiques de marque française. Une variété de déodorants français antitranspirants. Des crèmes pour le visage et pour le corps préparées dans des laboratoires français spécialisés. Vous trouverez aussi à la parfumerie de Barbara la fameuse poudre bourgeois pour votre visage, madame. Toutes les variétés des bien-être. Le savon français, mon savon. Toute la gamme des produits Fenjal. Et pour les soins de vos cheveux, mesdames, les produits Missenti, Activilon, en pommade, huile et ampoule. Pour vous, messieurs, les déodorants et parfums de grandes marques françaises et de l'Europe, et spécialement les parfums Creed. Découvrez aussi à la parfumerie de Barbara des accessoires de beauté et des bijoux de fantaisie, des articles d'art de chez nous, des tableaux haïtiens, de bons livres d'auteurs haïtiens et une sélection de musique haïtienne en micro-sillon laser pour les bons mélomanes. Tout ce qu'il vous faut pour offrir un cadeau
de choix et de valeur. Alors, retenez l'adresse de la parfumerie de Barbara, 1935 Grande Avenue à Baldwin, Long Island. Et notez le numéro de téléphone, utilisez-le pour appeler Barbara au 516-805-2318. 516-805-2318. We ship all over the US and we take all major credit cards. La parfumerie de Barbara, un joyau de boutique qui vous apporte Paris jusqu'à Long Island. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is physician assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. Just come in. No appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number here. Be heard, be helped, be healthy. C'est sécurité, c'est pas bien dur. Où est-ce que sécurité est dégradée? C'est cool, oui. T'as que ça, on a un jeu. Pardon, il fait rêve. Ou est-ce affaire sécurité, c'est spécialiste ou bail gérer ça. A te a piégé, 10 000 G ap gade ou, dégrinjou pacifique pour détecter mauvais G. Fait que opposé, bail Seco bail sécurité. Seco Sécurité, c'est un compagnie sécurité moderne qui a des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans défense et protection VIP, dans foule, dans situation difficile et zone hostile. Agent sécurité, c'est qu'on bon en pile, dans sécuriser business, bureau, événement, ou gen terrain ak résidence ou besoin surveiller, Seco Sécurité a bao ça propre. Ou bien sécurité privée, relais Seco Sécurité 2940-0349. Seco Sécurité, ou ap vin en Haïti, ka ou kase trop, a te a piégé. Pa fèl pou kòw, relais Seco Sécurité 305-892-0680. 305-892-0680. Adresse Rue La Tortue, numéro 14, Delma 48. N'importe sa ou ap réglé qui implique sécurité, sécurité privée, bodyguard, gardiennage, Seco Sécurité ap ba ou sa propre. Seco Sécurité, dirigé par Maître Michelin Nestor. Team Saint-Louis a continué vendre dans toute state New York là. Voici ça. Sold by Team Saint-Louis in Uniondale, Long Island. A beautiful Cape Style home with 4 bedrooms, 2 full baths, a swimming pool, 2 car garages. Kaisa dans Uniondale, Long Island, vendre pour 525 000. Team Saint-Louis permet la famille Dumont réaliser rêve. Team Saint-Louis toujours accompagné client lié depuis premier jour rencontré à Algade Kai. Rive jouk sous table closing nan côté que Philippe, Madame Ni ak Petit Li te signé papier caillou comme chemette chez maîtresse. Après ça, c'était gros la joie, la contentement. Philippe Dumont déclaré que Barbara s'est famille tellement satisfait de cette vie. Oui, cousine, moi. Cousine, moi. Mon clé, quand elle a pour me balayer. Très bientôt. Barbara, c'est lui. Avec un pile d'émotion, il dit que lui compte en pile et puis le reconnaissant à Team Saint-Louis. Tout bagaille, 100%, 10 sous 10. Waouh. Bloqué, il était bloqué. C'est Claude qui bombe Barbara. Mm-hmm. Et puis, en plus, famille, en fait. Comme maman Bala. Et le maman qui m'a mis ici, maman Bala, me dit maman merci. That's nice. Me dit pour moi, Jean-Claude, merci. Mm-hmm. Parce que c'est vous-même qui retirez mal si ça, vous voyez là.
Philippe Dumont, nouveau propriétaire de maison à Union Day Long Island, exprime satisfaction pour Team Saint-Louis avec une belle enveloppe et puis une carte de remerciement. Ça qui est plus important, les gens dans sous route, la plava, il faut qu'ils comprennent. Ouais. Et pas arrêter de dire merci dans la bouche. Ou qu'on carte de remerciement, faut valider. C'est pas la équipe là. Ça, c'est. Et pour son cadre tout team là. Team là. Ok. Il a son cadre de remerciement. Oh. Il va la donner. Bah, on merci, merci. Merci en pile. Team Saint-Louis au service de la communauté. Team Saint-Louis a travaillé pour faire rêve tout le monde qui voulait acheter un cahier, vine ou réalité. Team Saint-Louis a vendu cahier pour tout dans bonnes conditions. Contactez Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis, Real Estate Advisors, dans 516-805-2318. Valério Saint-Louis, Real Estate Advisors, dans 516-805-5410. Team Saint-Louis. Pabli, abonnez sous page YouTube Téléimage. Là. Si vous regardez nous sous écran ordinateur, ou cliquez sous bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sous photo petit cloche pour joindre toutes nouveaux dernières vidéos et émissions que nous avons gagné pour poster. Soit regardez nous sous téléphone ou fait même genre, cliquez sous bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connectés avec Téléimage. Merci parce qu'on était connecté avec Téléimage. Merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer, ou former et divertir. Merci parce qu'on ensemble avec nous. En bas là, nous avons plusieurs monde que nous pourrions saluer. T'as le conseil, nous avons salué, nous avons salué tout. Mais comprenez que je suis seul en solo à la table de contrôle. Donc il n'est pas facile pour m'abgérer. Et ni page Facebook, ni page YouTube, et puis tout bagaille en même temps. Donc permettez-moi saluer nous toutes à la ronde badet. Salutations à tous ceux-là qui sont brachés. Et au commencement de l'émission, je me fais particularité, je ne dois pas faire ça parce que des monde qui. A fait jalousie, baguette en salut. Revenons sur cette question de Team Saint-Louis. Team Saint-Louis qui finalement, c'est satisfaction garantie avec tout client, tout le monde qui a même servi avec Team Saint-Louis, qui est capable éventuellement de jouer nous caille puis acheter dans la cournure. Jouer nous caille ces jours-ci, c'est pas un bail facile. C'est pas une démarche qui est facile. C'est une démarche qui est difficile en pile pour certaines raisons, selon évidemment situation chaque monde. Et sous ta même 20 cailloux, on nous dit que là, dossier est différent, cas différent parce que. Son marché qui en avantage pour le monde qui a vendu, c'est seller's market, donc soit vendre ou caille, et bien Team Saint-Louis, c'est la bonne équipe pour justement capable vendre caille pour vous. Nous avons témoignage de monde qui vendent caille avec Team Saint-Louis, qui sont contents, très contents, très satisfaits. Et des monde qui ont même tout, des jeunes couples, des familles qui ont commencé dans la vie, qui pour la première fois ont acheté un caille, ils sont extrêmement satisfaits de service Team Saint-Louis. Il faut nous dire que Team Saint-Louis d'abord, avec PDG Team Saint-Louis, on nous dit CEO à qui c'est Barbara Saint-Louis qui fait avec un pile cœur, avec un pile amour et c'est passion ça que il gagne d'ailleurs pour aider monde, pour aider des jeunes couples, des jeunes monde et des monde en général qui t'a voulu réaliser rêve ça qui possible, rêve américain li possible tout pour nous-mêmes haïtiens qui vivent aux États-Unis. On toujours dit que le rêve américain, the American dream as they say, is to possess a beautiful house, a beautiful home, having a nice job, nice cars, having a pet at home, and the kids and a beautiful family, sending them to school, being able to sustain the family, mettez manger sous table pour famille et certainement a roof over your head. Ou kay, c'est un gros investissement. Et bien, Team Saint-Louis fier pour servir la communauté et permettre la communauté haïtienne réaliser rêve ça lui-même tout. Donc c'est comme ça qu'on a dit compliment à monsieur et à madame, David avec madame. Ni nous te fait connaissance avec eux. Et franchement, il est charmant, cute little baby they have. Congratulations to you guys. On a regardé témoignage ça qui était très poignant. L'entendez moun sa yo kap témoigner qui Team Saint-Louis aide yo. Ça fait nous plaisir, ça fait nous chaud au cœur. Nous content que nous fait travail ça. David Kade ak madame li Daria ensemble avec ti bébé yo réalisé rêve yo grâce à Team Saint-Louis qui aide yo acheter yon kay dans West Babylon Long Island pour $550,000. Kay la gon cuisine moderne. Yon living room, yon bel salon. Kayla a deux toilettes complètes. Trois chambres à coucher. Un bel garage ménager pour plusieurs machines. Ensemble avec un driveway ménager. Team Saint-Louis, comme d'habitude, accompagné David et Family, juste sous table closing, à côté que vous tape signé papier Kayla. Transaction acheter Kayla t'est très bien passé. Ancien maître Kayla t'est content de remettre clé Kayla par un nouveau propriétaire. So nice. Oh, beautiful.
Je dis à son réel plaisir pour nous-mêmes, Tim Saint-Louis, Valérie Barbara Saint-Louis, eh bien, pour nous accompagner David avec Madame Nidaria. Et si tout le monde nous dit, mes amis, congratulations. This is your first home, guys. Right. Okay? Be happy in the home. Que bon Dieu bénit Kaila pour nous-mêmes avec toutes petites nous. Merci, okay? Merci. Because you have a beautiful home. It's a beautiful beginning. Right. Okay, guys? So stay united, stay in love. Right. Okay? Parce thank you. Satan toujours voulait passer côté au basse. Oui, bien vu la vie à la Kaila. So, moi-même avec Valerio, c'est poser des vibes seulement. Right, right. Nous porter pour nous. Ok? Merci. So you've chose the right team. Right. Ok? Parce que nous-mêmes, tous nous là, nous mariés depuis over 26 years. Oh, wow. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que là, nous venons au Kaï, et bien nous venons avec beaucoup d'amour. Oui, ok? Un bel conseil tout. Exactement. So, bonne chance. Un pile encouragement. Yes. Bonne chance. C'est ton plaisir pour me travailler avec nous tous. Nous parlons de Yo Joutou qui ont été travaillés avec nous. Oh, that is so nice. That is so nice, guys. Oui. So, mes clients, mes amis, oui. Merci beaucoup merci. Pour être que nous avons choisi Team Saint-Louis. Merci, madame. Merci. Merci. Madame, merci un peu. Okay. Vraiment félicité. Hard working, ou mettez hard work you do for yes. me. Pour me réaliser ça, because it was a lot of hard work. Yes. Vraiment content, je vous dis, vraiment réaliser rêve là. Mm-hmm. Et. Je dis, monsieur Valerio, tout merci. Merci pour patience. Vous êtes un monde qui est vraiment, vraiment compréhensif. Merci. Je vous remercie dans le téléphone. Nous prenons patience pour t'en dire. Anything. Exactement. Baby, oui. Et madame, non. Oui. Pour advice. Et madame, non. Si vous ne comprenez pas, pour ça, madame, non. Pour ça, non, d'aller trop tard, déjà. Nous aider nous tout, oui. Nous aider nous avec tout cœur. So, c'est ça que nous avons dit, nous tout cap garder. Oui, oui. Vous comprenez? Oui. C'est pas le bail étranger business. C'est pas le bail étranger business, non. C'est ça que nous avons dit tout. Là, nous avons dit qui réfère à moi. L'année qui finit, dit, oh, madame Baba, me dit, oh, je connais madame, non. Vous m'avez dit, vous pouvez vous dire, vous êtes vraiment excité tout. Okay. Parce qu'on nous parle, me dit, bon, faut me travailler avant. Vous comprenez? Vous avez dit, vous avez dit, non, je vais travailler avec. That's very nice. Vous avez vraiment apprécié ça. Vous comprenez que nous comptons? En pire. Oui. Oui. Bon, c'est pas moi-même seulement pour recevoir belle qui recevoir belle tic, belle calan, qui recevoir kiff. Who deserve it? Oh my God! Merci. 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 Thank you. That's merci. What you deserve. Merci, merci beaucoup, merci. Là, David. Merci. Merci. Ça. And you too. Say thank you. Thank you. Say thank you. Thank you. It's a cutie. It's a cutie. Thank you. He's giving us a smile. Merci beaucoup, guys. Oui, merci. Bonne chance, temps. Ok? Oui. Nous là, je me dis nous, n'est pas de problème, n'est pas de bagaille. Oui. Pablier, we just a phone call away. Right. Just say nous la va accompagner lui. Nous pas just bon kai. Et ça toujours dit mon yo ça. C'est pas just bon ou kai l'en aller. Ça ici nous là nous pour une des lots exactement. Nous reconnaissance ça on pas connaît, c'est toujours les moins même gens m'a tout David. On partager ça pour nous faire. OK? Et puis la peine visiter tout faut. Oui oui, on va prendre. Merci. Merci beaucoup. Merci madame, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Bye. You smell nice too. You smell nice. Thank you. Thank you, my friend. Okay. All right. Merci, merci. 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 Ou déjà qu'on que nan maket real estate ça côté que bagay yo vin pi difficile sous besoin vann kay ou soit acheter kay rêve ou supposé contacter Team Saint-Louis Barbara Saint-Louis 516-805-2318 New York licensed real estate agent Valerio Saint-Louis 516-805-5410 New York licensed real estate agent Team Saint-Louis with Keystone USA Realty.
Nous allons maintenant vous présenter les grands points que nous avons retenus pour vous qui ont marqué l'actualité dans l'international, au niveau national ici aux États-Unis et certainement au niveau local en Haïti. Mais juste avant de le faire, nous voulons remercier ceux-là, les internautes et les spectateurs qui trouvent bien et qui trouvent que c'est une bonne idée de supporter en faisant des donations à l'émission Télé-Image. Merci pour ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, on va vous rappeler comment le faire, comment contribuer, comment participer à cette émission. Il y a des gens qui disent qu'ils ont contribué parce qu'ils ont regardé l'émission, mais il y a d'autres gens qui disent qu'ils n'ont pas regardé seulement, c'est pas seulement regarder, profiter de l'information, formation et divertissement que Télé-Image pour Tébayo, mais en même temps, ils ont senti qu'il faut contribuer. Et il y a deux trois mondes que nous voulons remercier pour ça. Et notamment, on a dit Nadia. Nadia, merci beaucoup, Nadia, qui voulait rester dans l'anonymat, mais quand même, permettez-moi de dire prénom, Nadia. M'a dit notre famille, merci Nadia qui t'a contribué aux émissions Télé-Image. Nous invitons, vous autres, nous invitons au même tour, fait même Jacques Nadia, contribuer à cette émission. Mais qui joue au café. To allow Teleimage broadcasts to continue to inform and entertain you, make a donation via Cash App or Zelle. For your support to Teleimage Broadcasts. Une fois encore une fois, merci Nadia, merci à tout l'autre monde qui comprennent l'importance et qui comprennent que c'est vraiment important pour contribuer eux-mêmes tout à Téléimage. Façon plutôt de supporter Téléimage et certainement supporter sponsors qui eux-mêmes permettent que l'émission ça continue à subsister, continue à exister dans l'air, sous écran télévision et en live. Chaque dimanche, nous en live nous présenter Baou. Mais il y a des gens qui, de façon personnelle, qui connectent, qui sentent besoin, qui sentent interpellation, puis ils supportent, puis ils font donation à Téléimage. Merci à tout le monde. C'est la semaine passée. Il y a des gens qui t'ont fait. Je veux dire, nous voulons saluer Nadia qui t'a fait. Merci encore une fois, Nadia, et à tous les autres. Voilà, dans le moment, ça, nous allons présenter l'actualité, nouvelle que nous retenons pour vous, qui marquait l'actualité. Que ce n'est pas bon ici aux États-Unis, que c'est en Haïti, que c'est dans l'international, là, en général. Donc, actualité nouvelle que nous retenons pour vous. Grand pile nouvelle, c'est vrai, mais il y a deux trois que nous pensons qui est important, qui retenons attention nous, et que nous retenons tout en dedans de la salle des nouvelles, nous, et que nous allons partager, que nous allons commencer à partager ensemble avec vous. Kounia, là, dans le moment, ça, c'est ça, nous allons faire. Nous allons proposer une collaboration entre VOA Créole et Téléimage. Première actualité, première nouvelle qui marque l'actualité que nous avons retenu pour vous, nous allons aller en Haïti. Dans ce moment qui se passe là, je pense que l'idée important pour nous marquer date ça. C'est date ça qui ramène anniversaire, côté que, bon, si vous voulez anniversaire, ou bien moment, côté que Premier ministre Ariel Henry est prêt pouvoir, nous songez un an de ça, après qu'il a été assassiné, président Jovenel Moïse sous pouvoir, la CAILI, nous songez ainsi dans ça, juste après. C'était d'abord Premier ministre Claude Joseph qui était le pouvoir, et juste après, eh bien, il y a quelqu'un qui dit, après une décision de l'international, c'est ça, il dit, eh bien, en tout cas, c'est M. Ariel Henry, le docteur, médecin et Premier ministre qui lui-même a dirigé le pays à un moment ça. Donc, la semaine qui s'est passée, il a été célébré un moment ça avec une adresse à la nation, il était adressé à la nation haïtienne, non? Il était fait un petit parolier avec le peuple, avec la nation haïtienne. Côté que dans la parole ça, il était parlé de un an ça que le fait sous pouvoir. Il n'a pas parlé de bilan, il était dit que pas forcément un bilan, mais si jusqu'à présent, pour qu'on ait une bonne nouvelle, mais il mise en route, la mise en route, mais il promet que la poutée est bonne nouvelle, certainement à la fin du mandat, qui le mandat fini, personne ne pas connaît. Selon les observateurs qui ont regardé, jusqu'à présent, M. Ariel Henry, comme Premier ministre, a dit GPIA, illégalement, il n'y a pas d'accord, et quel que soit ça, il dit, c'est lui-même qui est sous pouvoir. Alors donc, célébration, ça a été faite. Souvelez, et bon, célébration ou pas, mais lui-même, il était marqué, joue ça, un an depuis son pouvoir, M. Ariel Henry, Premier ministre, qui défend adresse à la nation, et dans adresse à la nation, ça, il était dit, un point qui est important que nous retenons pour vous, lui-même, premier travail que l'a fait, il a commencé à faire déjà, c'est combattre le trafic d'armes qui a entré dans le pays. C'est comme ça qu'une brûlée dans le reportage, ça, ensemble avec Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince Haïti, qui pourrait parler de adresse à la nation, ça, que Premier ministre Ariel Henry a fait, reportage Renan Toussaint. Le Premier ministre Ariel Henry abordé dans l'adresse à la nation pour marquer premier anniversaire dans tête pouvoir. Ces batailles, les dit la douane avec la police engagée pour combattre trafic d'armes et munitions dans port, douane et frontières pendant que gang armée chargé à gros armes la guerre et munitions cap kidnappé, touillé et terrorisé population dans différentes zones tant que Matissan, Tossel, Croix des Bouquets, Belin, Cité Soleil, pour citer ça seulement. Dernier chiffre, organisation droits humains, yo, publié, montré, gain plus passé 300 monde qui mourit si désolé, semaine passée, à un moment, bataille des groupes armés entre G9 et G-Pep. En pile, monde a posé question pour demander qui côté, nek, armé, ça, yo, jouent des armes et munitions pour yo bataille.
En tout cas, sorti mois février pour arriver juillet 2022, gain en pile d'armes avec munitions la police saisie, que ce soit dans douane Port-de-Paix, à Port-au-Prince, dernier en date là, c'est cargaison qui attribué à l'église épiscopale qui lui-même dit n'est pas au courant des bagailles comme ça, est vraiment vrai. Directeur général ministère des cultes là, Evans Souffrant fait qu'on est. Nous traiter un dossier qui était deux conteneurs pour l'église épiscopale depuis le 17 février 2022. Depuis lors, l'église épiscopale fait trois demandes de franchise, c'est pour machine de Nissan et puis Suyun et puis de l'autre yo, yo te gagné yo chaque yon Toyota Land Cruiser. Cependant, Evan Souffrant mandé pour DCPJ avec la justice haïtienne approfondi enquête qu'a mené sous conteneur ça yo. Il y a pas le mener une bonne enquête pour découvrir par qui filière que conteneur ça est rentré et par qui filière il arrivé et avec l'église épiscopale etc. Maintenant si yo jeune que c'est l'église épiscopale qui pas connaît fait magouille il passer par chemin peut-être nous même nous pas connaît donc il c'est pour yo punir mon yo paye on pas connaît si c'est yo même yo jeune qui responsable et bien il a tombé sous le coup de la loi. Mais si c'est l'autre monde tout qui fait quoi au nom de l'église épiscopale, eh bien, au même tout, il y a bien pour y punir au nom de la loi. Directeur général de la police, là, France Elbe, à côté de dit, il n'y a pas de pris à aucun monde, les y a mené enquête. Les y a mené enquête, côté enquête, la mené nous nous aller. Sans tenir compte de personnalité, sans tenir compte de clan, sans tenir compte de nom. Après rappeler que le ministère des cultes, c'est la première institution de l'État qui pour recevoir des demandes dans main une instance religieuse qui a franchise douanière. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint d'avoir rappelé que le reportage ça c'était dans le contexte pour enfin premier anniversaire et célébration, si vous voulez, c'est date ça que le Premier ministre devait marquer dans un discours, dans une adresse à la nation qu'il te fait et dans adresse à la nation ça, il te parlé de une action que la prend, c'est justement combattre trafic d'armes dans le pays d'Haïti, nous sommes gardés là et justement un cas de trafic d'armes côté que soi-disant yo accusé, yo t'a accusé l'église épiscopale dans affaire et ben trafic d'armes dans le pays d'Haïti. Il autre volet dans même causé ça tout adresse à la nation ça dans message ça que premier ministre il y a arrêté bail, il t'a parlé tout de prix gaz qui t'a supposé monter, il y parlait de ça et si et dans discours ça il mentionnait ça population partie dans au secteur dans population il même recevoir message là aux gens pas trop bien, yo pas trop comprendre ça et c'est Renan Toussaint dans Port-au-Prince qui lui même parle présenter nos reportages côté que ma population eux-mêmes ils disent que ils pas comprennent et si gaz a monté c'est prix produit première nécessité pour pas monter tout la vie chère qui peut établir dans le pays a, pendant que le premier ministre lui-même a célébré et au du moins ça a marqué premier anniversaire sous pouvoir sous chaise bourrée il a déjà annoncé que prix gaz a monté réaction de trois monde dans la rue Port-au-Prince ou dans tout ça encore une fois chauffeur motocyclette Chain Activation dans le secteur informel là rejeté toute l'idée augmentation prix produit pétrolier contrairement à l'annonce Premier ministre Ariel Henry dans l'adresse à la nation qui marquait premier l'année dans tête pouvoir. Papa Ariel Henry qui a préparé pour David mettre sur le top gaz là. Et nous-mêmes, la garde nous fait, presque quelques jours là, nous n'avons pas qu'à jouer gaz pour nous mettre dans la moto. Nous comme sol pour nous, nous pas capable. Ariel Henry n'a pas un droit pour la porter gaz là encore. Sous ça, malheureux, ça passe dans le pays ça. Ariel Henry n'a pas un droit pour la monter pour gaz là. Et tant que nous monter pour gaz là, comme ça, va gagner la piche. Moi-même, les maps nettoyer et 10 gouttes, 5 gouttes. Qui l'aime à bien faire quoi pour mal acheter au plat manger 80 dollars et au bagon d'état cap dit rien pour petit tout fini l'école ou pas qu'à jouer l'argent. Qu'on y a pour aller à monter gaz. Ou virer ici 50 gouttes. Ou virer l'autre bas 50 gouttes. Eh ben mes amis, quoi tout pour nous là pour aller ça? Chauffeur motocyclette, Chain Activation Zayo, dit Premier ministre Ariel Henry doit remettre pouvoir parce que la vie a déjà trop cher pour yo. Yon éventuelle augmentation prix carburant. T'aprèl fini ak you net. Ou a vivre dans pays, ou pas gon l'hôpital, ou vivre dans l'hôpital là, pas gen courant, moun ap mouri là dedans, pas gen l'état kap di rien pour. Mais c'est ta supposé retirer kol là pour voir ça là, pour ta kaba nou, bay peuple là, on t'y chance. Parce que comme si son pays ou pas gen l'état kap dirige l. On pays kap dirige, c'est bandit kap dirige l, et bandit gen doit pour passer l'autre. Manger, ou pas kaboué, ou malade, pas gen l'hôpital, yo touye tout docteur yo, Ariel Henry pas jamb di rien. C'est courir machine toute journée en mettre des moun dans Delma là en mettre des moun toute journée c'est oui avec un pile machine dans mondal il pas petit moun hein et pour tout pour nous là moi pour Ariel Henry. Pendant ce temps Ariel Henry rappelé principale mission c'est rétablir sécurité avec la paix soulager souffrance population sous plan socio-économique
ak organiser élection présidentielle, législative ak collectivité territoriale yo pour renouveler personnel politique là. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. L'autre point que nous retenu pour vous qui marque l'actualité, que nous pensons qui est important, fois ça nous pour aller dans la ville au Caï et plus précisément dans la prison au Caï. Dans la prison au Caï, côté que il y a des sessions, des séances qui étaient organisées, il y a gens puis ouais qui gens, ils sont capables et ben réduire taux de détention prolongée. Détention prolongée qui veut dire moun que yo kembe dans prison pour trop longtemps, moun qui pas même ouais jugé qui était pendant plus temps que tu as supposé passer dans prison, gen moun possible. Yo pas même compte pour qui ça yo arrêté, yo arrêté yo dans prison. Il fait plus passer 2-3 ans en prison sans que par juge et c'est ça les détentions prolongées et qui en quelque sorte illégal dans la loi dans le pays d'Haïti mais dans prison au Caï il travaille sous ça il fait des sessions puis ouais qui sont capables ranger corriger problème ça en dedans prison ville au Caï il faut qu'on ait que 9 prisonniers sous 100 qui ont même arrivé joindre libération eux arrivé corriger rectifier et tant que tu as fait en dedans prison et n'a du tout sous initiative et son initiative que plusieurs secteurs applaudit et sous même initiative ça il fait qu'on ait recensé 858 prisonniers à dedans prison civile au Caïla et seulement 89 arrivés jeune condamnation. Ça veut dire qu'ils ont passé devant Jujio. À nous suivre un reportage très intéressant. Le reportage, ça, c'est M. Jean-Ernest Eliscar, correspondant VOA Créole, qui a porté au reportage Sabano depuis les Caïs. Sous initiative parquet au Caï, Office Protection Citoyen, Bureau Assistance Légale et Organisation qui a défendu droit mondial dans le Sud, une séance spéciale démarrée dans la prison civile au Caï. Dans objectif pour réduire taux de détention préventive prolongée dans prison. Chef Faké Okala, commissaire Ronald Richemont fait connaître dans la première séance là, gain 9 sur liste sans prisonniers qui libérés. En attendant que nous instituer audience correctionnelle spéciale ça, donc on a fait des audiences, des séances sous liste au PCA, de façon à ce que vous avez retiré pour capable de diminuer le taux de détention préventive pour l'OGA. En 9 libertés qui fait qui est libéré. Il y a 9 monde qui libéré. Donc on fait des évacuations mineures. Donc ça fait que nous passons plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc je dis à nous-mêmes, nous travaillons pour désengorger les prisons. Et nous continuons à faire parce que nous sommes cheval bataille et ministère justice de la sécurité publique. Coordonnateur clinique analyse recherche et assistance légale, maître Jean-Miller Timothée, qui applaudit l'initiative là, souhaitait commissaire Richemont continuer à séance. On a remercié et félicité le commissaire gouverneur Okara, maître Ronald Richemont, le fait qu'il prenne l'initiative pour déblayer, pour désengorger la prison civile Okara, parce que tôt, détention qu'on dit prolongée est trop exagérée. Mais je vous dis, grâce à cette séance spéciale, eh bien, sur 11 détenus qui étaient en détention qu'on dit prolongée, il y a 9 qui libérés et 2 sacs par an libérés, nous-mêmes, au niveau de OPC, et Caral et puis BAL, nous allons faire suivi pour que nous accompagnions Mounsayo au niveau cabinet d'instruction. Sous 858 prisonniers qui ferment maintenant prison civile au Caï, c'est seulement 89 là-dedans qui condamnés. Jean-Ernest Eliscar, VOA Créole, au Caï. L'autre point d'actualité que nous retenu pour vous, fois ça, n'a pas arrivé ici aux États-Unis, dans la prison ici aux États-Unis, côté que plusieurs nous remarquaient, ça fait quand même trois chefs bandits, chefs gang, et bandits, chefs gang, Kaksan Maozo, qui arrivaient extradé, vini ici aux États-Unis, et on est en prison, dans la semaine qui s'est passée à la, une chef bandit, ça a présumé, bandit, nous dit, lui plaider non coupable, lui plaider non coupable devant la justice américaine, que condamné pour Zach kidnapping que l'a fait sous missionnaire américain dans le pays d'Haïti. C'est une chef gang 400 Maozo, côté que je dis, eh bien, s'il plaide non coupable, la justice quand même a continué. Et c'était interpellation, première interpellation, elle a continué. Puis, ouais, si vous êtes capable de condamner, si vous condamnez pour ça fait kidnapping, vous prévoit que vous capable de passer 20 ans dans prison ici aux États-Unis. Reportage Sandra Lemaire pour VOA Créole. Résumé, bandit gang 400 Maozo, Jean Pélis, alias Zo, t'es supposé gagner une audition devant tribunal fédéral dans Washington DC après-midi à 1h. Audition annulée. Et Kounia, monsieur Apton, déroulement procès.
Pélisse déjà plaidé non coupable à accusation la justice États-Unis pour te compte li en connexion avec kidnapping 16 missionnaires américains en Haïti dans mois d'octobre année passée a gain 7 chefs d'accusation qui a pesé contre li. Youn c'est complot pour kidnapper moun et puis kembe yo en otage, l'autre c'est pour kidnapping. Document légal VOA Creole ouais by détail précis sous kidnapping missionnaire. Conversation entre mam gang yo, rançon yo te mandé, avec tout déplacement otage yo jusqu'à ce que yo te libéré. D'après loi pays États-Unis, pénalité pour kidnapping c'est un minimum de 20 ans en prison. Pélis c'est une parmi trois présumés bandits, 400 Marozo États-Unis transféré Washington. Germaine Jolie, alias Yon-Yon, fermé en prison dans Washington tout. Pendant week-end, la police nationale Haïti t'a annoncé sous compte Facebook li que l'été remet by FBI Maxoni Germinal que PNH décrit en coup fournisseur ZAM gang 400 Marozo. Yo t'a arrêté monsieur depuis mois d'avril là, dans moment l'état pral traverser frontière Haïti pour la République Dominicaine d'après PNH. Département justice les États-Unis pas répondre question VOA Creole par rapport avec transfert Maxoni Germinal dans Washington. Cependant, dans une interview vidéo avec une chaîne télévision haïtienne, monsieur te fait connaître li nan yon hôtel dans Washington, pas dans prison et que li vini aux États-Unis comme témoin, pas comme accusé. VOA Creole mandé FBI confirmer déclaration ça. Mais nous pas joindre réponse. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. L'autre point d'actualité que nous retenons pour, mais nous pas ici aux États-Unis et plus précisément dans la cour Washington. Côté que c'est 8e et dernière présentation, du moins séance déposition sous cas ça que en pile média américain a suivi, en pile le monde entier d'ailleurs a suivi, et nous même pas ici tout dans télévision a suivi de près pour vous, ensemble avec VOA Creole. Côté que déposition sous attaque contre Capitole là qui était faite après le 6 janvier année passée, nous songez. Côté que accusé dans déposition ça, dans jugement ça, c'est ancien président Donald Trump qui lui-même y a accusé le côté que il pas à respecter la loi pays, le côté que tu avais, il t'a censé t'avoir renverser résultat et élection 6 janvier aller passer yo, avec certainement insurrection ça qui était faite en dedans Capitole là, nous songer ça qui t'est passé 6 janvier l'année dernière. Donc déposition a faite dans la cour Washington DC, président Donald Trump s'est accusé à déposition était très intéressant, il était médiatisé ici en pile ici aux États-Unis et nous même tout dans VOA Creole nous t'ai présenté nous là pour nous présenter un reportage sur question ça et c'est Jean-Aubert Philippe qui a présenté nous un reportage sur dossier déposition ça qui finit et qu'on y a là pour le passer dans jugement cas avec certainement comme accusé ancien président Donald Trump. Reportage Jean-Aubert Philippe. Huitième et dernier premier round séance d'opposition publique télévisée abdéolé jeudi 21 juillet à 8h d'histoire dans le Congrès. Séance ça capable de déboucher sous recommandation pour un ancien président Donald Trump légalement responsable tentative pour renverser résultat élection présidentielle novembre 2021. Trump. Summon a mob to Washington D.C. Président commission d'enquête 6 janvier, député Bernie Thompson déclaré ancien président Donald Trump t'est convoqué yon foule dans Washington D.C. et il t'est chauffé tête pour lancer yon attaque violent sous démocratie noire. Comité a qui gen la dans cette démocrate avec des républicains pas gen pouvoir pour juger ancien président Donald Trump pour crime qu'il gen pouwè ak attaque sous Congrès. Mais il est capable de présenter preuve des bâtons de justice américains capable d'utiliser pour accuser l'ancien président. The full picture is coming into view with the January 6th committee. Député républicain Liz Cheney déclaré dans le moment où nous commençons à collecter plus de détails, il est clair que Jeff Donald Trump a fait dans superviser et façon d'engager le TPI effrayant et plus menaçant que nous sommes capables d'imaginer. Dans un document 12 pages, ancien président Trump répétait même accusation que t'es gain coquin dans l'élection. L'IOHC, séance télévisée a cap déroulé sans preuve et puis sans confrontation témoin.
Paul Schindelman, professeur d'école de droit dans l'université George Washington, déclarait complot pour coucher en croix contre un événement officiel, c'est certainement capable d'utiliser comme un chef d'accusation. Parlementaire yo considéré yon tweet président Donald Trump te fait 19 décembre 2020 comme yon ralliement pour groupe extrémiste attaquer Capitole là. Action qui est capable de déboucher sous accusation complot. I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice, which has released private chat. John Lewis, professeur groupe extrémiste dans George Washington University, déclaré à partir de plaintes que le département de justice déposé dans le tribunal et qui publie conversation privée of Keepers avec Proud Boys, nous voyons que tweet l'a capitalisé sous date 6 janvier comme dernière chance pour groupe Sayo participer dans Sayo Kwe, moment historique pour empêcher Sayo Kwe, c'était un vol électoral. Comité 6 janvier capable de continuer à tendre des positions pendant toute saison automne et puis kembe dernier résultat jusqu'après élection mi-mandat. Ça capable de retarder une décision historique, mon pogo jamwe, que département justice administration un président en exercice cap accusé non seulement un ancien président mais tout un rival politique. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. N'a pas rappelé que déposition ça, jugement ça, son jugement qui est très médiatisé ici aux États-Unis et très suivi à travers le monde même, côté que nous sommes là, c'est ancien président Donald Trump qui lui-même accusé dans la question ça. Un résultat dans jugement ça qui a sorti très bientôt. Il prétend que après élection midterm, non, ça veut dire midterm élection ici aux États-Unis. En tout cas, un pile observateur a suivi, ouais, est-ce qu'il a pas arrivé vraiment de façon historique accusé ou ancien président, joint ni du moins coupable. Eh bien, pour nous faire une mise en contexte, c'est deux jugements ça qui est important puisque on a pour différents dépositions, différents témoignages, différents mondes, différents secteurs de la politique américaine qui a fait là. Il y a dernière déposition été médiatisée en puis monte gardel. À nous font mise en contexte de accusation ça, de déposition ça. Et c'est justement Jacqueline Bélizer de VOA Creole qui va présenter nous mise en contexte ça côté que nous pas comprendre plus bien qui ça gagne comme enjeu dans la question ça côté que l'ancien président Donald Trump accusé aujourd'hui devant la justice américaine. Jacqueline Bélizer. Don't 187 minutes. C'est temps ça entre fin discours ancien président Donald Trump dans un gros rassemblement qui était baptisé Stop the Steal, Campé Volla, à un moment côté les publié annonce enregistrée qui mandait partisan Lio quitter Congrès. Député démocrate Hélène Louria dit là président qui lié accèdement l'été fait sous constitution, devoir pour protéger la loi, pas de fait rien alors que y a un élément fondamental dans la démocratie noire qui c'est passation pacifique pouvoir est en danger. Dans une déclaration finale publique, 7 démocrates et 2 républicains dans le comité accusaient ancien président Donald Trump d'être que non seulement il pas agi pendant l'attaque sur Capitole là, mais tout l'été continué activement chauffer Mounio pour te renverser vote électoral là. Adam Kinzinger, c'est un républicain dans le comité. Foula exécuté volonté président, qui donc, naturellement, n'est pas intervenu. Président Trump n'a pas réagi pendant 187 minutes entre l'heure de quitter l'ellipse là et l'heure de dit Foula entrer la Kylie. Il tout simplement choisi pour ne pas agir. Même jeune assistance porte-parole la Maison Blanche, Sarah Matthews, dit si président était voulu, il était capable de lancer un appel dans la télévision, même l'heure, mais il était plutôt voyé tweet pour critiquer vice-président Mike Pence. Même jour après incident, M. Trump a eu des difficultés pour te condamner attaque là. Il était plutôt abordé l'autre question. Moi pas dit élection yo fini. Moi je l'ai dit que Congrès a certifié résultat yo sans que élection yo pas fini. Comité a été supposé mettre fin dans enquête là à audience hier soir. Mais vice-président républicaine Liz Cheney dit que l'autre information qui a venu encore. Conseil doit prolonger le travail là jusqu'en septembre. Ancien président Donald Trump critiquait le travail comité ça pour lui qui déséquilibré et injuste. Cependant, même conseiller Lyon qui démissionnait à cause attaque là témoignait dans séance hier soir pour dire chef l'État pas disposé camper attaque là que le tape suivre dans la télévision depuis la Maison Blanche.
comité ça pas gain pouvoir pour accuser ancien président Donald Trump pour crime, mais il a utilisé information que li joignyo pour faire recommandation by ministère la justice américain. Jacqueline Bélisère, VOA Creole, Washington. Merci Jacqueline Bélisère. Donc Nabjo que VOA Creole ensemble avec Télimage en suivre de près et jugement ça qu'a fait dans Washington DC et certainement depuis actualité a déroulé dans poté le baou. C'est grand point ça yo que nous retenu pour vous dans semaine qui s'est passé là qui marqué actualité que une pensée que était supposé partager ensemble avec vous qui t'a supposé important et plusieurs autres informations actualité qui passait à travers le monde ici aux États-Unis en Haïti que peut-être nous pas été retenu pour vous mais quand même nous sommes fait nous le devoir informer de différents grands points que nous-mêmes nous pensons qui était important et que nous t'ai retenu pour vous qui marqué actualité dans semaine ça. Nous pourrons composer, pendant que nous proposons, nous pourrons pour une autre fois encore que c'est depuis New York, Long Island, qu'on va suivre l'émission ça en direct. Nous déplorons le fait que nous n'avons pas qu'un collaborateur, nous Gary Altidor depuis ses studios à Queens, New York, et certainement présentatrice titulaire de l'émission ça qui c'est Barbara Saint-Louis. Nous pourrons pour tout que l'émission ça, nous dans la première phase, la première tranche, tranche d'information, nous pourrons entrer dans la tranche d'invité, côté que invité nous, c'est justement Madame Naomi Jean-Baptiste depuis la France qui pourrait parler ensemble avec nous à l'heure que l'IA là, dit très tard pour lui, on nous dit bonheur pour lui. Le bonheur pile pour lui, très tôt dans le matin, Naomi Jean-Baptiste depuis la France, qui c'est eh bien, correspondant à Télé-Image dans ville Paris. Il va parler avec nous de communauté haïtienne, non? Nous allons attendre, nous allons faire connaissance avec lui, et certainement, il va pour le porter plusieurs autres reportages ben, nous, sous plateforme Télé-Image yo. Depuis la France, Télé-Image qui est maintenant représentée par Madame Naomi Jean-Baptiste. C'est interview ça que nous avons pour tard le conseil juste après. En dernière tranche à l'émission ça, donc c'est deuxième tranche que n'a pas annoncé déjà ça que le bralier. Invitez nos sénateurs Naomi Jean-Baptiste et juste après, d'après quelqu'un, un sujet très important, très intéressant, c'est des compatriotes haïtiens, frères et sœurs qui ont un gros problème là, dans le moment, dans la ville Istanbul, dans le pays la Turquie, ils ont en difficulté et nous avons fait interview avec eux, VOA Creole t'a réalisé une interview avec eux, on a partagé ensemble avec vous. Ils ont en difficulté, nous avons aimé comprendre qui ça gagne et qui ça a fait dans le pays la Turquie, qui ça a mené dans le pays la Turquie. C'est dernière tranche, dernière ligne droite, ça que nous proposons dans l'émission. Ça, donc, était branché, une émission très intéressante pour nous informer, former et puis divertir. C'était les images en direct, en live, sur toute plateforme. Nous avons des gens certainement qui branchent sur page Facebook. Nous pas fait déjà l'eau, nous pas saluer, nous pas saluer, nous tous à la ronde, banais, nous tous qui branchés. Merci parce que choisit les images. En salut commandité, en salut sponsor, parce que c'est important tout, la pause publicitaire et au-delà de la pause, nous allons rencontrer Madame Naomi Jean-Baptiste qui est déjà prête et qui nous attend sur notre plateau. La pause. Haïtien New York yo, nous gain supermarket pa nou. Cambria Meat and Seafood Market. Yon supermarket 100% haïtien. Cambria Meat and Seafood Market, owned and operated by a group of Haitian entrepreneurs. Là, nan 229-26 Linden Boulevard dans Cambria Heights, yo vend en gros et en détail. À Cambria Meat and Seafood Market, le supermarché haïtien, vous trouvez toute une variété de produits de charcuterie, volaille, boucherie, fromage, fruits et légumes, poissonnerie, yon série de belles poissons tout frais. N'ap jwenn bon ambyan quantité pendant toute saison yo à bon prix. Cambria Meat and Seafood Market a bay gros spécial discount rabais à tout restaurant haïtien. Et y a pour free tout service livraison à client qui a acheté produit en quantité. Dans Cambria Meat and Seafood Market, wap jwenn toute qualité produit haïtien servi avec yo. Diri Grand Pampan, Petit Mi, Lalo, Arancel, Aranso, Jonjon, Tritri, Bertie Malice, Burly Lee, Dead Greenland, tout cola haïtien yo. Passez vin fait market tout dans Cambria Meat and Seafood Market qui dans 229-26 dans Linden Boulevard dans Cambria Heights. Yo ouvert du lundi au samedi de 8h du matin à 8h du soir. Le dimanche de 8h du matin à 6h du soir. Yo accepté EBT card, Food Stamp avec toute l'autre crédit card yo. Téléphone 718-977-1011. Cambria Meat and Seafood Market, c'est supermarket pas nous dans New York. Lè ap viv Etazini, li important pou gen kontak kompanyi ki toujou ap bay job e ki peye bon ti kòb. Selon recherche an pil moun fè, nan sans sa, quality service se meye a. De Miami, jwenn enfòmasyon isi ki di m bon activité ici. Bienvenue. As you can see, my Asian people, they are like always good to work with. I have a good team. Les hôtels là sont bon bagaille. Bel hôtel, bien propre. Robin, ouais, ça t'a rien à faire d'où. Quality Service a dirigé un pile gros l'hôtel à casino aux États-Unis. Ils ont toujours besoin un pile monde pour travailler dans un pile domaine, tant que dishwashing, housekeeping, sécurité et la trier. Moi, c'est Michelin Nestor, PDG Quality Service Companies. 10 ans de cela, moi créé compagnie ça pour m'aider haïtien à plusieurs autres nations jeunes travail.
Pendant période ça, plus passé 10 000 monde jeune travail dans hôtel à casino dans plus que 15 états aux États-Unis et en Haïti. Jodi a nous gen 6 compagnies dans plusieurs domaines. Optimal Staffing Services, Quality Service Hospitality, Quality Service Residential, Seco Facility, Seco Univers Construction et Seco Sécurité. Quel monde qui travaille dans Quality Service toujours content parce qu'il joue un bon traitement. Il y a une possibilité pour faire comme en plus dans Overtime avec TEP pour bon service au bail. Moi, c'est Marjorie Nestor, Senior Vice-Président Quality Service Company. Nous pas seulement une compagnie qui baille travail, mais nous prenons soin d'employés nous. Les gens qui travaillent pour nous dans l'autre pays, nous baillons dans la caille pour l'été, nous baillons transportation et tout l'autre bénéfice que tout employé supposé joindre. Nous avons contribué dans le 401k, nous avons gagné assurance de vie, nous avons gagné assurance de santé et nous payons vacances pour nous. Si vous-même ou pas gagné travail, nous invitons à venir joindre nous. Porte office nous ouvre chaque jour de lundi à vendredi 9h à 5h. Fais-nous confiance, nous gagnons travail parce que travail c'est liberté. Vite joindre nous. Quality Service dans plusieurs states, New York, New Jersey, Wisconsin, Colorado, Miami, et divers autres encore. Moi c'est Ralph Dorbens Melchizedek Huissin, administrateur Seco Sécurité en Haïti. Une force motrice compagnie qui fait nous ce meilleur dans affaires service sécurité en Haïti, c'est dynamisme chaque personnel bureau, chaque agent, chaque bodyguard gagne pour yo bail meilleur de eux-mêmes. On remercie tout le monde qui travaille avec nous pendant toute année ça. C'est nous qui force compagnie. C'est nous qui permettons Quality Service Company rive côté lié jeudi. Une n'a plus grand compagnie capable de travailler. Mais contact Quality Service 305 892 91 56 305 892 91 56. Gen moun nan office la kounye a k'ap pran apel nou ou bien vin nan office Miami Quality Service la nan 11 75 North East 125th Street porte 512 North Miami. Rele 305 892 91 56 pou al travay. Quality Service di a bas chômage, vive travay. Restaurant Good Taste and Catering ouvri deuxième location li nan adresse 5919 Latin Avenue pour desservir un gros clientèle haïtien ou étranger qui consomme manger à cuisine haïtienne chaque jour bon Dieu mette. Client haïtien ou étranger ak moun ki pat jam goûté manger restaurant Good Taste yo campé en ligne à la fine indienne ap tann tout pa yo pou yo payer manger ki yo te choisi a puisque nan Good Taste Restaurant and Catering yo offri yon variété la manjay. Yon autre fois encore n'ap di bravo, félicitations à entrepreneur businessman haïtien sa yo ki campé derrière restaurant Good Taste and Catering. Vin manger haïtien, vin supporter business haïtien. Une autre fois encore, Team Saint-Louis saute vend une belle caille dans Amityville, Long Island, New York, pour $520,000. Caille a une belle cuisine moderne, 4 chambres à coucher, avec 3 toilettes et puis un finish basement. Jou closing, signature papier caille là, Bernadette, client Team Saint-Louis, t'es yes. Content en pile. Samedi, mon Dieu, merci en premier. Je dis nous, team, nan, merci encore. Nous travaillons bien, bagarre pour me complaindre. So, je dis nous, merci. Je dis mon Dieu, merci pour ça. Mon Dieu, béni. Oui, oui. Ouais, sac Bernadette, tenue Bernadette, lunettes Bernadette. Dis nous merci. Nous sommes passés avec nous. Nous sommes passés avec nous. Merci.
Merci, merci, bon Dieu, remettre nous ça. Bernadette, puis mon tour qui t'a préféré, nous mon tour. Oh, oui, Bernadette, nous mon aide, nous mon besoin caille. T'as parlé de Tim Selim. Oh, Tim Selim, n'a travail, moi, je commence à faire mon bon. Oh, very nice, very nice. Bernadette, bonne chance. Merci, congratulations. Merci, merci. Un petit bonjour, merci. Un petit bonjour, merci, je dis. Merci, mon Dieu. Barbara et Valerio Saint-Louis, deux agents immobiliers, New York State Licensed Real Estate Advisors. Ils travaillent dur pour permettre communauté haïtienne avancer dans affaires real estate dans la cour New York. Et en même temps, permettre chaque grain haïtien qui est capable de réaliser rêve ça. Ils possèdent une belle caille ici aux États-Unis. The American Dream is very possible with Team Saint-Louis. Oubliez, contactez Team Saint-Louis. Barbara Saint-Louis, 516-805-2318. Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Team Saint-Louis. Pablie, abonnez sous page YouTube Téléimage là. Si vous regardez nous sous écran ordinateur ou cliquez sous bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sous photo petit cloche pour qu'ajoigne toute nouveau dernière vidéo avec émission que n'a rien pour poster. Si vous regardez nous sous téléphone ou fait même genre, cliquez sous bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connecté avec Téléimage. Voilà, donc comme annoncé en début d'émission, aujourd'hui c'est un plaisir de recevoir quelqu'un qui se trouve du côté de la France. On va voir où elle se trouve, c'est une dame certainement. J'ai dit Paris, mais c'est peut-être qu'on verra, mais c'est la France de toute façon. Téléimage qui désormais a donc des yeux et des oreilles du côté de la France avec la collaboration de Madame Naomi Jean-Baptiste qui est avec nous. Naomi Jean-Baptiste, on va voir qui elle est, faire connaissance avec elle. Aujourd'hui c'est comme une introduction. Avec Téléimage, sur les plateaux de Téléimage, virtuellement, on a le plaisir de la recevoir à cette heure tardive. Elle nous fait le plaisir, elle aussi, de nous accorder sa présence, puisque nous imaginons qu'il le fait. Qu'on y a là, dans la zone européenne, à Paris, plus précisément en France, il est très tard ou bien très tôt, si vous voulez. Donc, appréciez quand même que Naomi est avec nous. Voilà, je dirais bonjour, bienvenue Naomi. Bonjour Valerio, bonjour à toutes téléspectateurs, téléspectatrices, Téléimages. Vraiment, merci parce que vous accordez nous tant ça. Nous connaissons le a vraiment et digne même pour nous gagner avec nous. Mais nous apprécions ça parce que déjà, vous êtes collaboratrice et vous pouvez définitivement représenter nous dans la zone côtoyer. On identifie côtoyer d'abord. Alors, Naomi Jean-Baptiste, c'est du côté de la France, c'est ce que j'ai dit, mais côtoyer exactement. Est-ce que vous pouvez préciser pour nous? Alors, pour l'instant, moi, du côté de Hermont-Eubonne, qui trouve école dans le 95 et à 20 minutes de Paris, à peu près. Mais sinon, nous avons voilà, la jolie, qui a 47 minutes de Paris, un peu plus loin. C'est dans 78, voilà, Mantes-la-Jolie. D'accord, très bien. Donc, pour les gens qui vont dans la zone, et certainement pour les gens qui branchent, ils même tout dans la zone la France, les gens qui, dans ce moment-là, branchent, ils peuvent garder l'après, et nous apprenons, nous préciser pour vous, côté que tu es imaginé dans la ville Paris avec Naomi Jean-Baptiste. Maintenant, Naomi Jean-Baptiste, qui est là, qui m'a dit, nous avons fait connaissance avec vous. Il faut nous dire que personnellement, fait, récemment, vous avez fait une vidéo qui est allée virale sur Internet et un peu de monde a parlé de ça. Il était partagé tout côté. C'est où tu es présent dans un incident qui est arrivé dans la même zone que toi vivre là. Et là, un peu de monde, il y a des gens qui peut-être c'est là que tu as découvert Naomi Jean-Baptiste, c'est un petit peu de travail qu'on a fait. Parlez-nous de vous, qui genre de travail qu'on a fait dans la zone côté là, précisément dans Paris, en France. Et puis après ça, nous allons parler de communauté haïtienne. Non, nous connaissons une communauté haïtienne quand même qui est très dense du côté de la France. Naomi Jean-Baptiste, qui elle est? Naomi Jean-Baptiste, c'est un petit bon Dieu, voilà, premièrement, parce que moi, chrétienne. Et en même temps, moi j'aime en pile voilà la culture haïtienne. Moi toujours à la recherche pour me connaître vraiment
côté me sorti tradition la caille moins parce que moi pas de chance pour me ka vivre voilà en Haïti. Problème politique, nous sommes obligés de prendre exil avec parents nous, voilà, aux Antilles françaises, plus précisément la Guadeloupe. Et ça te manque en pile, voilà, pour me dire qu'on est du pays, parce que papa me s'est pas lié, il n'est pas vraiment voulu nous connaître qui s'est passé en Haïti. Seul ça que lui apprend nous, c'est que c'est l'évangile, qui c'est un bon bagaille, bien sûr, mais les moins venus grands, moi, je viens de prendre indépendance, moi, je viens de marier, je viens de Timoun. Moi, je mettais à la recherche pour me connaître vraiment racine, pour me connaître vraiment qui côté me sortit. Et de là, je viens de prendre goût depuis la Martinique. Moi, je passe dans plusieurs groupes, des groupes traditionnels comme Comit Racine, comme Nouvelle Génération Toute Conjointe. Moi, j'étais danseuse, annonceuse, porte-parole, etc. Et là, moi, venu en France, moi, continuer dans le même travail culturel là, côté que m'aller retrouver Monsieur Mathieu Souverain, qui c'est président association Haïti Chérie. Moi, j'étais toujours chorégraphe, etc. Toujours, quelque chose à côté de me passer, j'ai toujours fait en sorte pour moi qu'à laisser trace, moi. Et de là, moi, j'étais venu créer propre association PAM qui est les pêches, promouvoir ensemble la culture haïtienne, côté que n'a pas prendre jeune timounio tradition la caillou. Ça que m'a pas de chance pour moi de trouver en Guadeloupe, m'a pas prendre timounio, voilà, chanter, danser, danse traditionnelle, la cuisine haïtienne aussi, la couture, et bien tout ça qui fait richesse pays nous, voilà, sous tradition pays la caille. Et que ça me fait encore, moi c'est chorégraphe aussi, moi c'est chorégraphe. Okay. Moi j'ai chanté avant, mais moi quitté toute Barreiro pour moi t'es qu'à consacrer mais vraiment du côté médiatique. Moi c'est présentatrice télévision, moi c'est animatrice radio. Et moi former aussi des jeunes voilà dans le milieu radiophonique, moi toucher un petit peu de la politique, pas trop puisque maman est assez âgée et lui pas voulait que moi mélanger dans la politique. Alors par rapport à maman que me pas voulait faire la peine, moi quitter et politique à de côté, c'était moi-même qui était porte-parole de yon parti politique qui créé par monsieur Edwin Daïti qui c'est MUDA qui veut dire mouvement de la diaspora haïtienne pour Haïti. Et kounya m juste posé kounya seulement dans le milieu associatif et dans le milieu médiatique. C'est tout, c'est d'accord, donc, à fait politique là. Très bien, une présentation assez exhaustive, très intéressante. Nous avons plusieurs aspects là. Donc, pour l'essayer, on quitte le de côté parce que nous comprenons ça. Et Jean, on va faire là, j'en parle, maman surtout senti langue, pile parents haïtiens tout qui senti comme ça, les petits dans les médias ou bien les lancer dans l'in ça, et toujours questionné. On parle pas de politique, non, quand on loin à faire politique là, on fait nous peur politique là parce que les politiques haïtiennes, on ne peut et d'ailleurs, on parlait de. Au départ, on t'a dit que tu étais obligé de quitter Haïti pour raison politique tout. En pile famille haïtienne quitter cher pays Haïti pour raison politique. Donc mon peu politique. Mais ça va me dire que pendant que nous à l'extérieur, nous pas qu'à impliquer politiquement, c'est quand même de la politique. Lors d'un micro, lors par exemple devant écran télévision là ou devant caméra, c'est une forme de politique quand même, Naomi. Mais au plus fait dans affaire la culture. C'est ça. Ou fait dans culture, ou fait au niveau culturel. C'est ça au niveau média. Je dis que n'a profité saluer monsieur Edwin Daïti que nous connaît très bien, que nous avons une chance de rencontrer. Nous connaît parcours tout dans politique d'ailleurs qui t'a représenté la diaspora à travers un parti politique que nous t'ai et une chance interviewer Edwin Daïti qui lui-même tout bon lui-même il pas fait même genre avec ou Naomi il est impliqué lui-même. D'ailleurs il a fait gros expérience en Haïti, dernière expérience lui qui était quand même malheureuse en Haïti, Edwin Daïti qui t'a représenté la diaspora en Haïti. L'idée subit justement des mauvais traitements dans mes politiciens haïtiens qui, par contre, permettez-moi de dire ça, Mabdil, dans nos propres moins, dans nos PAM, ils par contre respecter citoyens haïtiens qui ont sauté l'autre bord de l'eau, qui ont fait des sacrifices dans les deux pays,
eh ben soit que abusé yo, puisque c'est l'argent ça me veut prendre mais seulement mais fait quand entrer dans politique yo dit nous carrément camper loin. C'est un petit peu ça l'expérience des Haïti que n'a salué quand même. On nous dit n'a salué sous trac ça Naomi. Et aussi Valerio Edwin d'Haïti aussi moi pensais que c'est lui-même qui c'est seul voilà haïtien en France qui t'est posé candidature pour le TK et président voilà en Haïti. C'était sous qui président mais il était bien assez audace voilà pour le faire. Définitivement, audace ou bien dit, audace il avait osé et nous t'es content que le t'ait fait ça parce que en tant que membre de la diaspora, il a toujours barré nous mais Edwin t'a dit que il pas permettre ça fait l'entrée fond en question. On quitte chapitre ça, on quitte Edwin que nous saluons une autre fois encore. On continue avec nous même Naomi, qu'on y a là, on faut-il parler de médias yo, ban nous idée de panorama médiatique et haïtien yo nan on nous dit plus précisément Paris côté hier puisque la France c'est quand même tout un pays mais côté hier dans zone Paris. Gampil radio, gampil télévision, est-ce que c'est des radios et antennes libres, est-ce que c'est des radios communautaires? Qui j'en sais, ban nous idée de panorama médiatique, on nous dit, de communauté haïtienne. Qui j'en sais, non, Paris. Alors, panorama, pas vraiment riche, voilà, comme aux États-Unis. Et nous gagnons chance et privilège pour nous gagner une chaîne télévision et qui couvre Europlan. Et c'est celle-là que nous gagnons dans toute Europlan. Mais mis à part de télévision ça, et est-ce qu'une cassette dans télévision hein? Certainement. Son station consoeur, son sœur. Station sœur. C'est HNIV TV, voilà que côté que moi j'étais une présentatrice voilà dans HNIV TV. Et à part ça, nous gagnons plusieurs radios web, voilà, en France et télévision web. Nous gagnons par contre Radio RSI, Radio Sud International, auquel que moi c'est co-directrice de la radio. Nous gagnons en bande FM qui couvre le grand sud d'Haïti, mais nous sur Internet aussi. Gagnons Fanfan Musique. Qui sont en radio, télévision web, voilà, qui fait un peu le bagaille dans la communauté, hein, les grands événements que lit toujours sur place, inviter des artistes, etc. Gain radio aquinoise, qui sont très belles radios, mais qui sous web également. Gain aussi Kaimit FM, qui sont toujours sur web. Nous gain aussi télévision radio Masséan, qui toujours sur le web, mais mis à part ça, il y a plusieurs jeunes qui mettent tête ensemble pour couvrir des événements comme connexion et nous avons plusieurs jeunes voilà qui couvrir des événements sans que ils ont pas fait partie de en ligne voilà médiatique. Donc médias forcément. Le même genre avec un pile. Nous capables de dire ça, il y a influenceurs, il y a des gens qui utilisent les plateformes, il y a Facebook, YouTube, surtout Facebook. C'est ça. Tout à fait, donc il y a un pile comme ça. Alors maintenant, en parlant de communauté, hein, nous parlons de médias, mais maintenant, on nous dit auditoire, lui-même, auditeur, mais téléspectateur, public, lui-même. Il y a un pile, il y a une communauté, moi je dis que son communauté est assez dense, parce que j'ai une idée de communauté haïtienne, là, de loin, mais même qui est sous place. Et qui j'en communauté en yé, ben nous type, et tout parler nous de démographique dans tout côté yé. Est-ce que par exemple, si je prends un train, je descends, je saute, et on nous dit dans le lieu, je descends Barbès, est-ce que je viens haïtien dans la zone ça, côté je viens haïtien yo, est-ce que j'ai un pile, puis sur les nous, j'ai un spectacle, même balio tout, nous, balio chargé, yo full à Paris. Qui j'en ça yé? Full. Oui. Alors, communauté haïtienne, non, ça qui vive en France, non. Il y a plus trouvé quoi du côté de Saint-Denis, de Sarcelles, Clichy aussi, là aller dans zone ça yo obligé rencontrer voilà un groupe haïtien. On peut trouver aussi quelques haïtiens à Paris aussi et côté que moi habité à Mantes-la-Jolie, moi t'ai fait un recensement, l'aime t'a créé association, t'ai gain 50 haïtiens seulement. Du côté d'Hermont Eubonne,
pas gen en pile haïtien du tout. Alors que si yon diaspora ta débarqué en France et que yon ta vraiment vle rencontrer et masse haïtienne nan, côté pour aller, c'est Saint-Denis, Clichy, Sarcelles, et m'pense, c'est tout. Mais faut dire que haïtien on gaye tout côté. Ou bien doit aller à Normandie. Qui a 4 heures de Paris pour trouver haïtien, quel que soit côté passé pour trouver haïtien. Oui, c'est la beauté de d'Acadie nationalité ça nous tout côté nous tout partout nous dans tout racoin et c'est sûr que les nous gain 11 ans mi en famille qui nos zone bon l'invité nous vini et puis nous avec le bel li confortable nous rete là tout n'est-ce pas est-ce qu'il y a un problème migratoire là est-ce qu'il y a pile immigrants illégaux haïtiens dans zone là nous gain problème ça tout bon faut dire que quelque soit côté que haïtien passé dans diaspora que nous toujours trouver problème ça gagne des jeunes voilà étudiants qui quittent Haïti pour qu'à venir apprendre un métier ici dans le but pour retourner à Haïti mais par rapport à problème politique voilà que ils ont obligé d'arrêter et que les arrêter là c'est un petit peu compliqué pour qu'à gagner papier voilà dans les médias gagne mon aussi qui venir de façon que nous comprenons déjà nous pas dire bagaille trop clair et que yo pas gagne en situation voilà qui correcte mais faut qu'on dise aussi gagne en pile mon aussi en pile la communauté haïtienne voilà en France non voilà qui correcte parce que dans la communauté a nous chargé un paquet artistes gagne un paquet philosophes nous gagne docteur nous gagne avocat nous gagne communauté qui vraiment riche. Et au fur et à mesure, grâce à Téléimage, voilà que nous avons découvert la communauté haïtienne en France. Là. Nous avons un paquet aussi des commerçants, un paquet restaurants à Saint-Denis, à Sarcelles, un peu partout. Et la communauté haïtienne, non, vraiment, vraiment dense, vraiment vaste, voilà, et en France. Là. D'accord, et merci pour ça, on se dit justement, grâce à Téléimage, grâce à ou même tout d'ailleurs, collaboration, ça que nous commençons à entamer, que nous entamons déjà, et bien nous pourrons avoir plus d'informations, plus d'images, tout, images et son de ça qui a passé dans la communauté haïtienne, non, qui a évolué dans la zone Paris, et dans toute zone de sa côté, ou sur le Paris là. Et bien, en aller justement dans le travail qu'on fait déjà pour Téléimage, ou rapporter nous plusieurs événements qui passaient, nous pourrons le partager ensemble avec auditoires là, téléspectateurs, internautes, des images, et ou même, vous pourrez illustrer pour nous, et images ça yo côté au passé qui s'allier et n'a regardé ça vraiment l'autre voix reporter ça avant moi m'étais étonné ouais et couleur yo et quantité haïtien qui par exemple défilé cap déambulé dans les rues de Paris côté que t'es une belle activité Naomi on parlait de l'activité ça justement en illustré là n'a regardé c'est quand même la culture haïtienne en pleine rue. Oui, c'était le carnaval tropical de Paris. Voilà, côté que mouvement ça, c'est antillais, yo. Comme dit antillais, c'est guadeloupéen, martiniquais, guyanais, qui, voilà, qui lançait mouvement ça. Et puis, au fur et à mesure, ils ont ajouté des pays. Et puis, Haïti, t'es là. M'a précisé que ça t'est passé sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, qui c'est la plus belle avenue au monde. Alors, Haïti est représenté, voilà, et par l'association Hibiscus. Alors, association Hibiscus, c'est une association qui a œuvré, voilà, pour la culture haïtienne et pour venir en aide aussi à des personnes, voilà, défavorisées en Haïti. Et association, ça, elle est dirigée par Madame Gerdy Paul, que m'a précisé qu'il s'est une femme photomiton. Et lui fait un pile bagaille, c'est lui-même qui était et qui toujours fait et la fête du drapeau et récemment il t'a fait la fête du drapeau avec plusieurs voilà artistes dont la légende Dieudonné la Rose et il était profité dans fête du drapeau ça pour te ca ballon trophée pour travail que lui fait dans musique haïtienne.
Ça c'est bien. Et on saute pas l'état là, là on va parler des Champs-Élysées, on compare le boy ici là, mon qui dans New York yo, qui habitué avec Manhattan, on a parlé de Fifth Avenue côté que gros parade Macy's, gros compagnie ça en fait. D'habitude dans gros fête nationale yo boy ici. Donc c'est quand même son gros causé et c'était avec fierté que on était ouais drapeau haïtien à flotter aux Champs-Élysées dans l'événement ça, on a regardé là et monsieur ça qui gagne drapeau le soulier puis on vend vraiment déguisement vraiment belle. Mais on dit que c'est les, ça c'est antillais d'abord. Donc c'est un mélange antillais haïtien qui fait défiler ça, qui a participé là dans un moment. Non, alors non, ça moi dire c'est que c'est antillais qui t'a lancé mouvement ça. Alors ça fait peut-être 20 ans de cela. Après 20 ans de ça, c'était eux même qui t'a lancé mouvement ça. Alors là on t'a lancé, je t'ai lancé avec les Antillais. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à rentrer l'autre pays là-dedans, comme t'es gain la Chine, t'es gain Japon, t'es gain Brésil, t'es gain les Antilles, bien sûr, t'es gain Haïti. Et ça, t'es vraiment belle. Belle image. Côté que Haïti, t'es habillé en et madras. Alors, madras, pour moi, auparavant, parce que madras, non, c'était un tissu traditionnel, voilà, des Antillais. Mais nous qui voilà yon et designer yon couturier les mêmes qui fait robe et red non et li explique nous que madras là son tissu traditionnel d'Haïti que dans temps de l'esclavage voilà que nous t'ont utilisé tissu ça avec broderie avec carabella également. Alors toutes belles ti mesdames belles ti haïtiennes que n'a pas là yo yo porté tissu la caillou. C'est ça m'a regardé là vraiment vraiment intéressant. Très culturel événement ça. Intéressant. Et merci pour merci ou même la première sur même Naomi qui permettre et l'image joindre image sérieux partager avec le grand public donc haïtien évidemment alors on a fait une petite parenthèse sur il semble que Antilles est très présent c'est sûr que connecté avec la France et nous comprennent ça donc il y a une grande majorité une quantité ou une idée de communauté ça pour une petite parenthèse sur Antilles rapidement. Oh oui Antilles en pile yo vraiment en pile puisque mis à part la Martinique il y a la Guadeloupe il y a la Guyane. Et ils sont très solidaires. Les Antillais qui ont entreprise, c'est tout Antillais qui mettent ensemble pour qu'ils aient une bacop. Les gens en Guadeloupe et en Martinique, ils ont un petit différent entre eux, comme si ils ont traité, bon, ça c'est Guadeloupéen, qu'ils sont supérieurs aux Martiniques. Et tandis que les gens en France, ils sont très. Très solidaire. D'accord. Ben, on le parenthèse qui est intéressant, m'a vraiment ni intéressant soit dit là et en guise d'information publique là vraiment apprécié information ça. Nous toujours remarqué même dans mitan artistes parce que il y a des artistes qui sortent la Guadeloupe, gagne qui sortent Martinique de grandes vedettes, on nous dit star Zoukio, mais gagne comme on distingue, gonti bagaille, gonti pas veut dire hang mais gonti différence qui fait pas veut dire complexe tout entre la Guadeloupe et la Martinique. Ou ka expliquer nous qui ça lié sous une idée. Pour qui ça? Guadeloupéens pensaient que yo supérieur voilà à Martiniquais et vice versa Martiniquais pensaient que yo supérieur voilà et à Guadeloupe et à Martiniquais. Mais là yo en France ça a changé un peu parce que ou trouver un pile mélange de Guadeloupéennes voilà qui marient avec des Martiniquais et puis des Martiniquais qui marient avec des Guadeloupéennes et tandis que là yo aux Antilles c'est un peu différent. Très différent même. Je comprends ça. Mais l'arrivée à nous dit, permettez-moi de dire, bon créole, bon haïtien, l'arrivée dans le pays blanc, il y a obligé d'entendre. Il y a organisé. Il n'y a pas de choix. C'est pour ça aussi, même pas là que il y a des haïtiens qui sont dans le nord, il y a des haïtiens qui sont dans le sud, il y a des qui sont Jacques Mel, Port-au-Prince. Toujours ganti in hang, ça a dit comme ça que ou fini en France, on pas de passer pour au prince, que si ou pas passer pour au prince, ou pas éclairé, etc. Toujours ganti in hang, voilà, entre commune Haïti et puis Sotlan qui c'est pour au prince. Ça a dit que l'on pas passer pour au prince, non? Ça a dit que ou pas éclairé.
Oui, m'pa konnen est-ce que nous comprenons ça très bien. OK, raison. Tout à fait, nous gen ça bon ici là dans New York. Et ben précis, moi que auditoire la comprendre moi, yo pas fâché tout. Nous d'accord messieurs dames, gros petit problème tout entre moun Brooklyn, moun Long Island, moun Queens. Nous qu'on a fait nous. Dans New York là, geti ça tout. C'est même bagarre, c'est même pépé plan tout côté nous haïtien entier, eh ben c'est même côte famille. Mais on a avancé dans l'autre événement qui dit même t'es fait toujours dans Paris événement ça, c'est ton événement lui même politique là en aller pour nous garder ensemble avec vous. Là où tu couvres le tout pour télé image, c'est ton événement quand même important, nous on artiste sur podium. Non mais qui ça t'est? D'accord. Alors artiste ça l'irélé Bob Bovano, c'est un artiste engagé mais très engagé. Et parole qui a sorti dans bouche li c'est parole piment bouc. Alors c'était monsieur Charles lui-même qui est représentant de Boostad John en France. Il était mis des têtes li ensemble avec plusieurs associations pour te ka faire une commémoration dans mémoire et Jovenel Moïse, président nous Jovenel Moïse voilà qui perdit la ville cruellement que nous connaît histoire là déjà. Et c'était un moment qui était vraiment triste, hein? Voilà, que t'es gain moun dans public là, qui t'es gain des larmes aux yeux, t'es gain des témoignages. Et c'était vraiment très, très, très émouvant. Et presque tout le monde qui était venu dans l'événement, ils étaient habillés avec un t-shirt qui devant écrit justice pour Jovenel Moïse, gain qui était gain d'autres t-shirts voilà qui était gain 4 ou 5 photos président qui assassiné pendant que président haïtien que m'a précisé qui assassiné pendant que il était sous pouvoir. Très intéressant n'a regardé image là, image encore une fois. Et qui était rapporté par Naomi Jean-Baptiste, qui t'a fait reporter ça justement pour Téléimage. Merci encore une fois, Naomi. Donc, ça, c'est dans célébration anniversaire, un an anniversaire, assassinat président Jovenel Moïse en France, à Paris, côté communauté haïtienne, oui, tapé, yo même pour commémorer, célébrer moment ça. Oui, c'était à Drancy. C'était merci, au gymnase. Okay, juste de l'ONE à Drancy. D'accord. OK, événement quand même qui nous ca comprendre qui vous remarquez que qui était politique fois ça, il était très politique, vous parlez de artiste ça qui est très engagé, en nous regarder artiste encore ou peut-être font petit parler de lui. Donc c'est quand même tu as des prises de position politique quand même dans moment ça, m'imaginais et puisque c'était célébration, commémoration, anniversaire et assassinat président. Oui, t'es gain des prises de politique, t'es gain un pile témoignage, mais témoignage qui était vraiment touchant, c'était yo t'ai fait un récapitulatif de la vie de Jovenel Moïse et de travail que il était grand en fait pendant qu'il était sous pouvoir, côté que paysan yo t'a dit merci et Jovenel Moïse que depuis moi fait que c'est première fois que on président mettait pile dans le quartier, c'est première fois qu'on président mettait de l'eau, mettait courant, etc. Et n'a pas retourné sous Bob Bovano, voilà, qui c'est un artiste très engagé. Et c'est lui-même, les gains, et voilà, un président qui vient en France, soit t'es gain président Martelly qui t'est venu, t'es gain aussi président Jovenel Moïse, que c'est lui-même qui toujours fait ouverture. Alors, lui dit qu'on s'appelle lui-même, lui pas non parti pris, lui pas non camp politique, lui-même salvisé, c'est Haïti d'abord, et que message chanté engagé l'eau, c'est espoir, c'est que on joue pour Haïti qui a changé. Eh bien, on artiste du genre de Mano Charlemagne un petit peu, non? Puisqu'on le voit avec sa guitare oui, sèche, il rappelle un petit peu de l'eau, t'as dit Mano Charlemagne de loin. C'est même style là? Oui. Mais en plus que c'est même style là, yo c'est deux amis, voilà. Yo amis.
yo te gen occasion chanter ensemble, yo écrit musique ensemble, yo travaille ensemble. So, m'ta parlé récemment de en sortie que association Hibiscus t'a fait, que m'ta parlé de Manon Charlemagne, parce que non style de parole li, non style de chanter que moi t'ai fait rapprochement justement à Manon Charlemagne, et c'est là que l'étape expliqué mais parcours li avec Manon Charlemagne. Très intéressant, d'accord. Merci parce que vous faites nous vivre communauté haïtienne là qui est en France. Et vraiment, je pense que c'est ça l'objectif là. Et d'accord, la collaboration, ça, Naomi Jean-Baptiste, qui est là, c'est représentant, correspondant à l'image sous place en France. Il peut permettre, nous déjà avons avant-goût de ça, la permettre nous vivre des images et différents événements qui passent en France. Je dis à nous qui a dit que nous connecter, pas vrai, nous-mêmes qui ne sommes pas ici. Mais il faut admettre que grand pile en pile de monde, ça, il faut le dire. Telle image, gagne plein de monde en France qui garde et qui déjà connecté avec telle image. Merci pour ça. Et avec Naomi, n'a pas ajouté plus sous quantité de monde. Ça, vous allez faire partie de cette grande famille de telle image depuis la France, depuis l'Europe. On a d'événement, fois ça, nous prenons dans le sport, Naomi, au couvrir événement ça autour. Nous, là, sur le terrain football, à nous identifier, là, nous font parler de l'événement ça lui-même. Oh oui. Alors, événement ça, c'était. Mon billet date là, mais c'est un événement culturel sportif et t'es gagné association qui t'est venue, c'est l'association ASF il me semble. Alors c'est association, bon, mon billet exactement non association, mais ce sont des jeunes voilà footballeurs qui voilà qui sont en Haïti, qui sont à Carrefour en Haïti. Côté qu'a vini dans un tournoi et en France et j'ai profité par occasion ça pour te qu'a voilà jouer avec des équipes voilà locales voilà des Haïtiens bien sûr. C'était vraiment émouvant côté que ou entraîneur a parlé créole haïtien avec yo a dit vinn pas là chute boule là nous tout fini et Nous te prenons en pile plaisir, voilà, que vous me faites, voilà, et filmer événement ça. Ça, c'est quelque chose qui est exactement. Alors, on dit que vous dites Carrefour, vous venez spécifiquement pour événement ça? Non, vous avez l'autre événement. Vous avez des tournois en France. Et puis, événement culturel là, voilà, tombé, même moment. Alors, vous mettez tête ensemble pour te faire. Vini, mais il n'y a pas de vini seulement et avec un groupe qui est souterrain, tu as U10, tu as U11, U15 et U20 aussi. Mais c'était U20 qui a joué culturel et sportif là, et à Porte de Pantin. Et mis à part sport là aussi, t'es gain la cuisine haïtienne qui était sur place aussi, t'es gain bon criade, bon crio, bon dans le pays. Nous connaissons que t'es pas haïtien, bon manger haïtien obligé là. Et en plus, t'es gain plusieurs artistes qui t'ont fait performer, comme t'es gain Prince Love, t'es gain Mister Josué, t'es gain plusieurs artistes, Jean-Michel, etc. T'es gonflé des jeunes rappeurs. La jeunesse haïtienne, t'es vraiment en mouvement, juste ça. Et juste ça, t'es fait chaud en pile. Alors, haïtien, t'es profité, sorti pour t'encourager. Mouvement, ça, qui t'es organisé, surtout par Edwin d'Haïti et Fanfan Musique et ACP. D'accord, très bien. Wow, c'est vraiment là à travers des séquences de reportage. Nous parlons de tout reportage et de toi que vous partagez ensemble avec nous. Il y a plusieurs autres qu'on fait. Nous avons une idée, nous-mêmes qui avons regardé là, M. Zemmour qui a regardé là, nous avons regardé Mounio qui certainement en bas émission, en bas live, là qui a réagi. Nous sentons vraiment une présence haïtienne. Il semble que il est très présent, il est tellement présent. Regardez, nous fait trois aspects là. Nous fait culture là, côté qui était sous Champs-Élysées avec drapeau, avec costume, carnaval. Nous font virer dans la politique, côté que vous avez célébré, commémoré, quand même, et premier anniversaire, et assassinat du président Jovenel Moïse, vous êtes très impliqué quand même politiquement. Et puis voilà, au niveau sport, nous sommes regardés là, sport et culture,
vraiment c'est un peu de tout. Donc une communauté haïtienne nous remarquons qui est très présente et qui a bougé énormément d'après ça que moi là Naomi. Donc évidemment et ma question maintenant et c'est peut-être même on capable dit même mon souhait nous qu'a éventuellement que les haïtiens qui pas impliqués dans la politique locale là en France qui qu'a aller qui qu'a briguer des postes électifs. Est-ce que il y a ça? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce qu'il y a un qui est déjà en dans politique française là? Oui, gain en bonne partie voilà qui dans politique française là et nous gain aussi un maire voilà qui c'est maire voilà de Épinay-Villetaneuse et c'est monsieur Dieunor voilà excellent. Nous gain des adjoints au maire, gain des conseillers maman qui est haïtien, vraiment... haïtien français. Oui, haïtien bien sûr, haïtien. Voilà, et c'est la première fois que ça a fait, voilà, que pour gagner un maire, voilà, qui est haïtien, voilà, c'est vraiment un grand coup de chapeau, voilà, pour monsieur Dieunor, excellent. Bravo, bravo et à cette communauté haïtienne qui est très active. De micro téléimage pour moi et annoncer nous aussi que nous gagnons un nouveau consul et avant nous te gagnons monsieur Richardson Etienne et pour nous gagnons un nouveau consul alors peut-être que dans et prochaine voilà émission nous ca gain chance pour nous faire un petit cosy avec faire connaissance avec. Tout à fait avec plaisir. D'ailleurs, et auditeurs et téléspectateurs, internautes ont déjà comprendre que avec Naomi Jean-Baptiste en France, Téléimage sous place, c'est les yeux, les oreilles de Téléimage sur place en France et à Paris. Donc, toute dernière actualité, nous avons fait connaissance à la consulat et n'importe qui ça a passé, nous avons vraiment, vraiment, c'est avec plaisir, Naomi m'a dit là publiquement, que nous engager dans la collaboration. Ça, nous avons dit merci, chapeau bas d'ailleurs pour le travail qu'on fait déjà, qu'on va continuer à faire. Et un grand merci parce que vous rejoignez l'équipe Téléimage qui lui-même a passé à travers le monde, qui a une présence de tous côtés. Et en France, je pense que c'est important, lui-même impératif pour une présence en France parce que quand il y a haïtien, à Saint-Sauve-Gardi là, on a une esquisse de communauté, hein, une communauté qui a bougé, qui est impliquée même dans la politique. Franchement, ça fait un grand plaisir pour nous, Naomi Jean-Baptiste, et nous souhaiter que nous sommes capables de faire des reportages chaque semaine. C'est sûr que à l'heure, ça a l'heure indigne, ça aurait d'abord avec nous en live, en direct. Ou sous capable, ça fait nous plaisir, sous avec nous, sous rejoindre nous chaque semaine, si possible. Même qu'on est très tard, vous voyez. Merci. Voilà, partagez, Valérie. M'a fait, voilà, saluer à nouveau. Tout ma personne de diaspora haïtienne parce que nous connaît que voilà que Téléimage couvre on peut dire le monde parce que je me songeais que gain et quelques années de cela moi j'étais aux États-Unis et plus précisément à New York et moi tapé regarder Téléimage et moi j'étais vraiment contente, me dit oh à pas de télévision à pas gars c'est qu'à parler créole etc. Ça c'était vraiment fait plaisir que me connaît que voilà que par rapport à Téléimage, voilà que le monde a connu que nous gagnons une communauté haïtienne, une communauté qui travaille, une communauté qui est solide, qui jambe, qui fort et qui fait un paquet de travail. D'accord. Positif. Et Nabjo, merci pour ça. Travail merci positif, très important. Vous. C'est ça. Nab certainement toujours intéressé, garder, fouer, chercher et montrer, présenter aspect positif là. Mais ou d'accord avec moi, on a métier en tout Naomi et m'a pas adressé me connait ensemble avec vous ou pour joindre toute staff Téléimage, on m'a adressé avec public là qui très souvent qu'on a demandé nous faire ça pour te bailler positif, belle bagaille de Haïti, quel que soit côté haïtien. Mais nous voulons faire parenthèse pour dire que malheureusement métier qu'on a fait là, c'est qu'on miroir que lié. Nous mettre miroir devant ou devant yeux, monsieur, madame, ou même qu'a regarder là qu'on en France, qu'aux États-Unis, et ben miroir là regarde tête ou la donne, s'il belle, n'a montre lui belle. Mais s'il l'aide tout Naomi, malheureusement, imagine, reflet, imagine, appelède, puisque ce n'est que le reflet de cette communauté, de ce cher pays Haïti que nous sommes, nous-mêmes médias, et c'est ça que nous avons fait de façon professionnelle. Et c'est comme ça que je vais profiter de remercier Naomi pour professionnalisme, pour engagement, tout, parce que c'est son façon d'être engagé quand même. Parce que nous avons déplacé comme ça pour faire reportage, pour rencontrer le monde, nous connaissons le métier, nous connaissons les alliés.
Et bien deux fois, l'événement n'a pas passé dans la zone côtoyée. Il faut aller des kilomètres bien loin pour faire. Donc déjà, dès le commencement, m'a demandé téléspectateurs internautes. Eh bien, moi, c'est que nous avons un bel bravo, un gros bravo pour Naomi Jean-Baptiste qui représentait l'image du côté de la France. Un gros bravo, en bas live, là, s'il vous plaît, pour ça. Et Nabdil, merci. Et au nom de toute l'équipe de Télé-Image, Nabdil, merci déjà parce qu'on rejoint l'équipe là. Et nous déjà dit bon travail, Naomi, bonne collaboration avec Télé-Image. Merci énormément, Valérie. C'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi, voilà, que pour me représenter belle télévision, ça. Télé-image, voilà, ou bail belle image. Voilà. Prochain reportage, Jean-Armé Jean-Baptiste, et nous voulons dire reportage, mais peut-être que la semaine prochaine, nous avons encore une fois, comme invité, comme peut-être co-présentatrice, nous avons gardé pour nous, Jean-Armé, si possible. On va voir. Parce que nous connaissons le temps. Voilà, nous avons gardé ça. Nous avons gardé ça que possible. Merci encore une fois, Jean-Armé. Merci encore une fois, merci Valérie Osselmi, merci à Téléimage, merci également à Madame Saint-Louis. Avec plaisir, certainement. On va faire connaissance avec toute l'équipe là. Gary Altidor qui est aussi du côté de Queens avec ses studios à Queens. Barbara Ali même, Ronet, qui sont cavaliers pour le canal émission. Et puis il y a toute une équipe de Téléimage en Haïti notamment, au Chili et bientôt en République Dominicaine et voilà maintenant en France. Donc, merci de rejoindre l'équipe. Merci encore une fois, Naomi. Ça a été un plaisir. Nous connaissons très tard. J'ai l'impression que c'est bonjour pour nous dire parce que c'est déjà le matin qui commence la journée. Bonne journée, Naomi. Merci encore. Merci, Valério. Merci, Téléimage. Encore une fois, Naomi Jean-Baptiste, correspondante de Téléimage depuis la Ville Lumière Paris, il est sorti présenter nous des séquences de reportage que il était fait déjà pour Téléimage et n'a bien plus toujours avec Naomi Jean-Baptiste sous place pour Téléimage depuis Paris. Monsieur Sétégrapil, mon cap gardé là qui est en France, qui est content. Oui, vous avez maintenant votre représentant en dedans Téléimage depuis Paris. Et c'est branché, on prend la pause et puis on revient pour la suite de cette émission. Valério Saint-Louis depuis New York, qui vient d'avoir le plaisir d'être en compagnie de Naomi Jean-Baptiste depuis la France, depuis Paris. Restez branchés. Team Saint-Louis, pas seulement joindre caillou pour acheter, mais Team Saint-Louis spécialisé dans vendre caillou pour vous. C'est comme ça, monsieur et madame Compère t'ai fait Team Saint-Louis confiance pour vendre caillou pour vous dans St. Albans, Queens, New York pour $695,000. Sold by Team Saint-Louis. Dans seulement 2 mois, Team Saint-Louis est en vendre caillou. Team Saint-Louis t'ai mis caillou sous ma chérie les là le 2 avril et le 1er juillet, caillou t'ai en vendre. Sold by Team Saint-Louis. Cape style home, well maintained. Lovely 4 bedrooms and 3 full baths. Full finished basement with separate outside entrance. Updated kitchen with granite countertop. Yon bel kay nan St. Albans, Queens, New York. Ambiance santé très agréable sous table closing la côté que monsieur et madame Compère te bay la main et remettre clé kay la bay nouveau propriétaire là qui lui même acheté kay la pour $695,000. Barbara te remet client Team Saint-Louis, monsieur et madame Compère yon cadeau. Oh, so thank you so much. Eloud et Rodeline Compère te extrêmement satisfait. You the best. No. Everything you do is pay off because the way things come out and the house, it's unbelievable. You put it out at 12:30 and at 6 o'clock you got 400 views. When my son said that, I said, oh my God, and I check it. This picture you made, your video, people love it. She said everything she told me. Oh my God. Listen, I like that. Man. And you guys are satisfied, everything okay? Oh, okay. We're really, really satisfied. Everything is going, you know, so fast. Okay. Effectively, we have no problem since the beginning. It's unbelievable. Consider by Dino, who effectively says that, we have to search for the plus cup and to retain the auto back avant. So, ou balancer market là autant de nous autant d'eau et puis de right price nous vendre bon client qui pas mal trop problème là effectivement tout ça qui vient. So nous souhaitons tout haïtien qui besoin son caille mettre la me lever demain en l'air je ne pas parce que son haïtien qui a gardé ça là de vous besoin son caille c'est pas bien sous babouin mon son un problème c'est pas besoin de
des problèmes, il n'y a pas I'm telling you, c'est clair. I just want to thank the two of you. Thank you. For taking your time, for being so patient, yes. Good listeners. Okay. And what I like for every appointment you showed up. Oh. I like that. Until the very last day. Yes. Very professional. That's thank the way you. It is. We have to start and finish until that's the right. End. That's what we do. You know, Tim said we need to do that. We have to live like that. For sure, Jill, L'autre équipe d'avec nous, avocat et tout ça, nous avons passé pour nous rendre compte. Merci. Nous très contents. Je sais que vous avez un petit sentiment de. Pas oublier Tim Saint-Louis, pas seulement jouer une caille pour acheter, mais Tim Saint-Louis spécialise tout dans 20 caille pour vous. Belle Tim Saint-Louis Kounyala, Barbara Saint-Louis, New York State License Real Estate Agent, 516-805-2318. Valerio Saint-Louis, New York State License Real Estate Agent, 516-805-5410. Tim Saint-Louis. Nous disons merci à nous tous qui branchés jusqu'à l'USA, nous branchés sur plateforme Téléimageo, sur page Facebook, nous, nous avons plus de branchés. Merci à tout le monde, ça a salué nous et certainement nous-mêmes qui branchés sur page YouTube. Merci parce que nous branchés, nous choisissons Téléimage pour nous passer un bon moment ensemble avec nous. Je vous dis à une autre fois encore, nous avons une émission spéciale, comme chaque dimanche, à partir de 9h, Téléimage en direct, en live, sur page Facebook, nous. Et sur toute plateforme côté que nous passons, nous là tout sous écran télévision, pas oublier que Téléimage sont émission de télévision qui passait sous différents réseaux câblés dans la zone métropolitaine de New York. En entrée, notre dernière ligne droite ça que nous allons passer ensemble avec vous dans l'émission ça. Qui s'allie exactement, nous t'ai annoncé dans le sommet dans l'émission ça. Il y a plusieurs compatriotes haïtiens qui font voyage ça. Un long voyage, traverser plusieurs pays, traverser plusieurs gros la mer, puis arriver au l'autre bord, au l'autre continent, dans l'autre bord de la terre, qui c'est dans le pays la Turquie. Turquie. C'est pays ça que haïtiens ont choisi pour y aller et pour qui ça nous va le comprendre pour qui ça a atterri dans le pays de la Turquie et d'après interview ça qui était accordé vers la créole gain plus passé 1 000 plus que 1 000 et déjà dépassé 1 000 ils pensaient que c'est 1 000 seulement qui gain peut-être plus toujours qui dans même condition ça dans même situation ça yo que nous va regarder là nous va comprendre dans pays de la Turquie yo dans ville Istanbul qui ça a fait là nous va comprendre dans interview ça que nous t'ai réalisé avec yo vers la créole que n'a partagé ensemble avec vous et nous va comprendre enfin tragédie ça que frère Senouyo met tête la donne parce que justement pays d'Haïti la caille pas offrir plus que ça et certainement gain sécurité si c'est pas forcément sécurité c'est pour la vie mieux et deux dans monde ça qu'on pas entendre parler là yo c'est frère Nouyo que deux compatriotes ça yo sorti dans nos pays entendez ça gain puis dit situation grave en pile yo non situation difficile yo mandé aide yo besoin aide yo même publiquement yo mandé aide gouvernement haïtien mais ou même si peut-être vous comprenez, vous pouvez suivre l'interview, si peut-être vous avez aidé, certainement nous invitons au fait. Parce que c'est frère, nous y est en situation difficile. Ce n'est pas eux-mêmes seulement. Il y a plusieurs autres qui sont dans la même situation. Ça. Nous pouvons aller dans la ville Istanbul, dans le pays la Turquie, interview qui a été accordée VOA créole des Haïtiens en Turquie qui sont en situation difficile. À nous suivre. VOA créole, j'ai plaisir de rencontrer avec des compatriotes haïtiens qui vivent dans le pays Turquie. Est-ce que vous êtes capable d'identifier tout? Dis-nous exactement où vous êtes dans ce moment-là ou pas là avec nous. Bon, moi-même, côté mien là dans ce moment, moi, je suis côté de l'Esseniot dans la ville Istanbul. Ok, et qui j'aurais les banou identité? Parce que nous recevons nos fichiers qu'on voit banou, nous recevons un passeport ou. Mais c'est qui est souillé, qui j'aurais les? Moi-même, c'est Jean-Jacques. Moi, je suis tout dit, moi, je fais tout dit, moi, je suis grand bassin.
sous terre rouge. Ok, dis-nous Jean-Jacques, qui soit fait Turquie? Qui soit fait Istanbul là dans le moment? Bon, moi te vin Turquie, Istanbul là, Sergis, yo te dim baga yo te plus ou moins. Moi vini ici, moi pense baga yo te plus ou moins vraiment. Mais pendant que je suis venu très difficile, je suis acheté billet plusieurs fois pour moi aller, mais je ne viens pas de côté pour me faire escale. Je suis très difficile. Quand il y a un moment, résidence 4 de séjour, je suis expiré. Je ne suis pas renouvelé. Quand il y a moi-même, je ne suis pas sorti la rue, je suis sorti la rue. Chef, arrêtez-nous. Je prends, je mets en prison, il faut faire 15 jours sans bain, sans manger, je bois un petit pain sèche, ça m'a fait un petit bouteille de l'eau. On a l'air, yo vin lago sou, yo lago sou 15 jours, yo fore le famou pou fann nou achete un billet d'avion. Ou, si fami a pa gen kobla pou l'achete billet d'avion, yo kito la nan prison la, atake fami a ka achete billet a pou. Sa vle di, se cause sa yo, mwen men, se cause sa yo mwen men, mwen isit la, mwen pa wè ki mra en pou m. Sorti parce que grand pile là nous tout pas revin fin van ça te gain pour ouvrir comme pour nous retourner nous acheter billet nous pas voyager yo pas remettre nous comme qu'on a là nous même n'a demandé aide ensemble avec l'état haïtien pour comment te ca aider nous ici là pour nous te ca retirer tête gain vinion gain organisation OIM nous en pile là nous inscrit là dedans pour te ca aider nous pour nous sortir mais bagay la vinn grand j'ai compliqué te ban nous dernière semaine mrajien pour te aller ensemble avec nous on est après le nous appelons nous dans bureau nous mande information yo di nous l'état haïtien dit yo pas capable dans moment c'est 28 juillet y a ka recevoir à nous ça veut dire mais jusqu'à maintenant c'est pas une date qui confirmé vraiment c'est ça cause qui fait journée aujourd'hui on a demandé pour tout l'état haïtien pour nous garder pour mettre ensemble pour comment nous ka aider nous pour sortir dans situation ça nous ici là mais nous pas mandé pour ban nous comme mais c'est ça nous que nous besoin yo ban nous aide assistance pour nous sortir dans pays pour aller dans pays. OK, très bien Jean-Jacques. Dis-moi, donc où c'est où ça c'est illégal dans pays Turquie, dans ville Istanbul pour toi. Moment là illégal. Dis-nous. Dans moment là où dis-nous gain ou illégal. Ou dis-nous gain monde qui faut qu'on ait ba yo bon dans Turquie. Qui monde ça veut? Qui gens fait river Turquie et qui gens expliquer nos voyages là? Qui ça qu'un sitôt prend avion, paye ticket pour venir Turquie? Qui est-ce qui faut venir Turquie? Bon. Dam qui te fait venir ici là il te dit on notre système bagayote bon ici là Turquie il dit pendant il explique dit ça là il dit l'aime travail l'aime ici là m'a toucher 1000 dollars le mois madame moi a ca toucher 700 dollars le mois ça veut dire moi même moi pense c'est un bagage vraiment que m'a ca faire m'a ca économiser quelque monnaie mais pendant que moi venir sou yon mwa, dam nan pa menm tan mwen gen yon mwa, li led mi an, sa ma vèm li bloke m sou telefon. Konya la, se paske mwen wè se mantil tab bam. Konya mwen menm ap kre mwen pou m ta tounen nan peyi, men jiska metan la bagay yo tre komplike paran, ou vann sa ou te gen yo vwe ban mwen. Mwen pa repè yon vwe ban nou transit, e non plus tout, wè tout kom sa ou pe a di. Mwen vwe sa ke koz ki fè mwen vwe biye ou ba ou pou verifye ou menm pou wè. Tout kom sa ou wèm pre la, tout son kom sa kom pe a di ou ba remet mwen. Oui, nous et deux trois documents couvrir ba nous. Mon parler de dame là, qui est dame là hier, c'est une dame qui gagne business fait monde voyager Turquie. Qui est lié qui Jean Relé et son monde qui est dans gouvernement, qui son programme gouvernement qui fait nous vinn là ou bien c'est en privé que dame là fait nous vinn là dans Turquie. Dame là te fait en privé mais il dit c'est agence, il dit il est associé ensemble avec agence mais moi pas de connaît qui agence. Mais c'est juste il acheté billet électronique là ensemble avec il fait réservation hôtel. Moi vini, madame nan rele Roselande Anay, moun wanamet li soti yon kote rele manke pou wanamet. D'accord. Donc dame nan fait nous promesse que l'enrive Turquie n'a pas de travail. Expliquez nos voyages, oui. Qui j'ont fait voyage, il arrive Turquie, qui est-ce qui recevoir Turquie, qui j'ont ça commencé Turquie, bon. Depuis combien de temps nous dans Turquie? Li même qui fait voyager. Moi vini en bien sans problème. À l'époque l'aime vini, moi t'ai passé par Espagne. Moi arrivé, moi fait escale Espagne, après d'Espagne moi venu Istanbul. Moi arrivé très bien. Li fait me faire 3 jours dans hôtel. Après 3 jours hôtel là, li vienne prendre, li vienne ensemble avec moi dans résidence côté qui m'a créé l'institut, mais ça veut dire qu'il y a un pile immigrant là, africain, haïtien, il y a plusieurs nations là. Pendant li vienne ensemble avec moi là, mais il était en dîme avant dans corps voyage moi là louer un caib moins.
la bonne assistance pour yon mra, et puis la chercher travail pour moi. Li loué kay la vraiment, mais chercher travail là, li pas chercher, et puis tout, li pas de ban nous aucun assistance de faire manger bah ça. Même pas de problème ensemble avec ça. C'est juste, moi te juste dit pour te faire rien, comme li te dit billet, c'est débolier, yon un retour là-dedans, moi te juste mandé pour te voye me tourner sous bord retour. Depuis les tout lié de mi ensemble avec me bloqué sur téléphone. Je n'ai pas parlé ensemble avec lui ni Well encore. Ok, nous comprenons. Donc, c'est un programme de voyager venant en Turquie. Son business que madame ça t'a fait ensemble avec nous. Donc, oui. Nous arrivons, il te voyage avec nous, il recevoir nous dans le pays Turquie ou bien nous voyager pour compte nous? Nous voyager, il voyage, nous venir, nous voyager pour compte nous parce que nous avons la République Dominicaine qui te recevra nous. On a seulement mené nous airport, nous finissons checker airport. Après ça, nous entrons dans la salle d'attente, nous prenons vol, nous venons descendre Espagne, Madrid. Là, nous venons Madrid, nous faisons escale Madrid. Dans 4 heures après-midi, nous venons prendre vol encore, nous venons la Turquie. Nous venons à minuit la Turquie. Très bien. Là, nous venons Turquie. Qui est-ce qui recevra nous Turquie? Marie vient recevoir nous dans l'aéroport, la Marie Damna. Marie Damna habite Turquie, dans la ville d'Istanbul, côté Marie Damna, dans le moment, est-ce que nous avons contact avec lui? Est-ce que lui continue à avoir contact avec lui? Vous avez bloqué sur téléphone, ni vous avez parlé encore. D'accord. Combien de temps nous avons Turquie? Oui. Moi-même, moi j'ai un an, 2 mois à Turquie. Moi, je suis venu à Turquie 12 avril 2021. Moi, je vais le 13 2021. Moi, j'ai un an, 2 mois, quelques jours là. Un an, 2 mois, ou même où c'est Jean-Jacques, et Zamien oui. Qui beaucoup tourne là, lié avec vous. Combien nous y est côté nous y a là? Bon, j'ai nous 3 bon côté nous y est là. Donc, c'est là que nous habitons. Oui, moi-même, moi pas habité là, ça veut dire que c'est beaucoup de Zamien, moi, venu parce que. Moi celle là quand côté maintenant pas gain internet après ça moi obligé venir bon côté zami pour me joindre notre internet pour me te parler ensemble avec. OK d'accord donc côté nous là c'est louer nous louer et dans moment qui vient nous payer côté nous rester là. Bon. Dans moment c'est les parents rejoignent yo voyer pour nous nous obligé rester grand goût pour nous payer caillou parce que dans moment là nous pas qu'à travailler puis travailler tout. Gain deux fois on fait notre travail ni payer ou pas payer nous. Et puis tout chef, avant de venir toute journée, qu'on a nous obligé nous venir crête pour la rire. C'est presque dans la série nous, il y a un moment. Nous nous cachons. Les nous dans la rue, ils ont abordé nous, la police marché sur nous, viennent poser nous questions, ils ont arrêté nous, ils ont harcelé nous, ils fait pression sur la nous. La police là, anik, depuis le wow, li dou, ki milik passeport. Qu'on est là, ou lè ou que ou même ou longe résidence là, ensemble avec passeport, depuis le wow, qui vient les résidences inspirées, ils tout prend, ils montent dans la machine, là, ensemble avec vous, là, ils mettent dans la prison. Ok, très bien, parce que le considère qu'il est illégal. Passeport nous valide toujours, nous, passeport qu'on voit, ben, moi, là. Oui, passeport valide, passeport va finir en 2030. En 2030. Ok, en 2030, c'est ça, nous, ouais. Donc, passeport ça, ou t'as remé, donc, qui soit t'as remé, ou même, Jean-Jacques, qui soit t'as remé, qui soit t'as remé, dit autorité, yo. Bon, c'est moi, ça, comme t'as remé, dit autorité, yo. Aidez-nous pour nous retourner dans le pays. Nous, c'est juste tout côté de l'eau, Axel, nous vivons. Ça veut dire que nous pensons que si on l'a vu, nous avons cherché ici. Pendant nous venons, nous avons des choses très difficiles. Nous sommes là nous-mêmes. Nous faisons par là, nous vendons tout ça pour nous retourner. Nous ne pouvons pas retourner. Nous avons demandé à l'autorité haïtienne pour nous aider. Nous avons besoin d'assistance pour nous retourner dans le pays. Qui sont en train de prendre assistance? Aidez-nous à retourner à la CAIO, c'est-à-dire retourner en Haïti. Ou à retourner tout du Nord, c'est ça? Oui, ma retourne tout du nord. Ou retourne tout du nord. Donc ça veut dire qu'on besoin retourner son ticket d'avion qu'on besoin seulement pour retourner. Oui, seulement ticket d'avion besoin pour me retourner. Dis-nous combien cob ticket d'avion avant. Bon, dans moment là, cob ticket d'avion, il est dans 1800 dollars, 1600, 1700 dans moment, il fait monter descendre. OK, est-ce que nous avons aucun contact avec le gouvernement haïtien? Est-ce que y a un consulat? Est-ce qu'il y a une ambassade haïtienne dans le pays Turquie? Nous connaissons que Haïti a une relation avec la Turquie. Est-ce qu'il y a un officiel haïtien en dedans pays Turquie que nous contactons ensemble avec eux? Qui contact nous fait à niveau ça? Dans le moment, nous pas un consulat haïtien la Turquie.
Pendant le président est venu pour te faire tout arrangement, ça, le président est venu arriver mourir, il est venu arriver tuer le président, qu'on a tout bas, ça, il vient pas de faire. On a là, c'est une organisation OIM, l'autre ami t'a dit nous allons dans l'organisation pour nous recommander à aider nous. Chaque jour, c'est une date qui est au nous, mais c'est pour voir qui j'en fait vraiment. Il y a 4 mois là, il n'y a pas j'en fait. Il n'y a pas j'en fait. Donc, nous pas essayer de contacter. Côté nous, il y a la même gens nous contacter. La Voix de l'Amérique nous contacter VOA Creole ou contacter moi. Nous pas gain moyen pour nous contacter officiel Haïti. Nous pas essayer de contacter ambassade, consulat, ministère des Affaires étrangères, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous pas gain contact. Bon, nous pas gain contact. Moun moi gain contact là, yo voye contact bam et Do Zeni ensemble avec Joseph Lambert, moi écrit yo pas faire réponse. Il n'y a pas fait nos réponses. OK. Condition à vivre la difficile, c'est certain. Nous pas manger bien, nous pas qu'à travailler, nous pas qu'à cob dans nous. Donc, dans le moment, nous avons demandé aux autorités de nous retourner en Haïti ou même au Damé, retourner au Trou du Nord. Oui, moi. D'accord. On ne faut pas l'examen qui est beaucoup trop là. Oui. OK. Présentez-nous amis au ensemble avec vous. Eh bien, OK. Bonsoir. Qui va me dire bonsoir? Il est déjà dans 3 heures pour nous côté nous la Turquie. D'accord, nous contentons de vous. Et vous même qui j'en relé, qui statut pour? Qui ça, qui j'en situation est pour vous même? Bon, moi même c'est non pas c'est la fleur chose, nous sortis au Cap. Nous sortis au Cap, ça veut dire, c'est même genre, nous tous qui venons là, ce sont des agences qui font nous venir là, ils vont nous mentir, ils disent nous les nourrir la Turquie, nous n'avons pas agent de Brésil, nous n'avons pas agent de France. Il y a même qui même dit, compatriotes nous, les nourrir la Turquie, ils ont un petit bis cap. Grain ou bien bis cap capon aller mais non en France et aujourd'hui on va toucher $1,000 américains le mois tandis que même $200 le mois on va toucher parce qu'il y a payé $6 par jour américain kay celle qui a déjà pris $100 là dedans les billes vini bill courant bill d'eau bill gaz pour chauffer car la zone qui fait très pile téléphone pour manger ça veut dire même $20 on va économiser ou d'avoir ma petite ou bien madame ou bien famille, maman, Haïti. Ça veut dire que c'est très grave pour nous-mêmes qui vivons ici. Il y a plus passé de 350 qui étaient enregistrés dans le vol OIM. OIM, par l'ensemble de l'autorité haïtienne, il fait connaître que le 7 juillet, il fait vol là pour nous. 7 juillet, après, il y a des problèmes à Haïti. Il aurait quitté jusqu'à 28. Et quand il y a nous, c'est là, dormi, il y a nous, c'est juste pour moi, juin. Parce que nous, c'est. Fin mois juin a fait vol là pour nous. On a autorité haïtienne nous pour qu'il nous pas gagne autorité parce qu'il pas pour respecter. Parce que sous les compatriotes, frère, c'est au cap souffre dans le pays. Plus vite que possible, c'est fin moyen pour nous faire entrer. Nous joignons une organisation qui est l'OIM qui a fait ça pour nous, qui a charité nous en vol humanitaire. Nous faisons que le 7 juillet a des problèmes. Bon, si 7 juillet a des problèmes à Haïti, nous les gars disons OIM ici, à bon. Fait 28 juin, fait 30 juin, ou bien fait le 15. Je mettais juste 28 juin encore, qui est très loin pour nous, et nous souffrons, nous ne travaillons pas. On va prendre l'immigration, qui pas ça, ou pas rien. Il y a un mettre en côté de la prison, faire n'importe 15 jours sans manger, sans bain, parce que bon, grain de tomate, nous perdons aussi. Ça veut dire, bah, là, très très grave pour nous. Comme nous connaissons son radio, télévision qui est très écoutée. Parce que moi, chaque jour, je regarde sur YouTube, quand je parle avec des immigrants en Mexique, des immigrants en Chili, on ne peut pas faire ça arriver dans les autorités. Malgré que je suis là qui soude, mais je suis là qui gagne, qui a compris. Je suis demandé pour le premier ministre Ariel, tant de voix, peuple, la jeunesse, la crème, jeunesse, nous, tout, ça qui est l'université, ça qui est l'école, c'est la vie meilleure de venir chercher. Debout, Haïtien, mon pays, Haïtien, pas voulu rester, connaître ce bon, pas bon. Parce que là, quand nous parlons, on a mouru partout dans le pays. Mais nous sommes obligés quand même de tourner bas. De tourner bas parce que nous ne pouvons pas dans le pays latin. Parce que nous venons côté de bon genre raciste. Actuellement, là, il y a bon qui pour un an. Quand il finit, il n'y a pas renouvelé encore. Actuellement, là, tout le monde qui rentre derrière nous, là, il y a couché résidence, il y a tout réfi. Et puis, il y a un grand monde qui paye comme ticket pour aller à Haïti. Il va déporter le monde. Avec ce grand monde qui paye. Comme déportation et on ticket très cher dans le moment. Nous comprenons très bien. Et dans le moment là, ou même on pas un problème de retourner au Cap, ou saut dit ça tout, ou besoin de retourner à la caillou. Mais dans, si vous comprenez bien, gagner des voyages là, gagner une promesse ou bien une intention
pour nous parler de Turquie. Objectif là, c'est de voyager, par exemple, en France et éventuellement venir ici aux États-Unis. Est-ce que c'est comme ça, ça te? Oui, parce que qui ça reconnaît? Parce qu'on est là, nous qui informé, nous qui avons là déjà, qui vient, qui fait 5 jours, qui fait 15 jours, qui tourne sur le même boutique. Pour aller à GCO, on est obligé de nous, l'autre de l'article, l'article n'est pas bon, mais dans 2 mois, nous avons une résidence qui a traversé le Brésil, de Brésil, nous entre Mexique, de Mexique, pour entrer aux États-Unis. C'est ça qui est dit. On est obligé de dire, bon, paye 3 000 $, bon, paye 4 000 $ américains pour entrer l'article pour jambé en France ou de jambé au Brésil. L'arrivée, ce n'est pas vrai, parce que résidentiel, bon, l'on va pas faire avec, seulement qu'à arrêter l'article avec, ou bien aller là, ou bien aller, qui peut donc aller? C'est Israël, c'est Égypte, pays qui peut m'avoir l'article. Oh, bon, ça veut dire, si pays ça au calé, il n'y a pas bon pour nous, nous pas faire comme, il peut manquer là, que l'article ou elle là. Oh, bon. Nous comprenons très bien. Donc, au fait, objectif là, c'est. Alors, là, nous commençons ce voyage là, à moun nous fait voyage là, à moun nous attend nous pour nous faire voyage là. Nous-mêmes à Mouna, nous connaissons que son passage la Turquie. Après ça, on a poussé Boupi devant, éventuellement arrivé, Josso Diala, arrivé juste Mexique pour retourner rentrer aux États-Unis. Donc, objectif, c'est les États-Unis finalement. Oui, avec le dernier parcours, nous, c'est entrer aux États-Unis. Parce que nous ne pouvons pas venir ni la Turquie ni entrer au Brésil. C'est passer au Brésil, entrer Colombie, de Colombie pour nous entrer au Mexique. C'est comme ça, pas quoi. C'est comme ça que nous avons fait. Yo même dit y a bon sens à ta nous river Miami et pourtant il connaît l'arrivée mais l'arrivée là c'est ou bloqué ou pas à fond on pas d'accord et moun sa yo et bon moun sa yo qui fait business ensemble avec nous combien cob nous dépenser en tout pour nous faire voyage ça voyage chaque après nous Turquie et puis de Turquie pour ta éventuellement arriver aux États-Unis combien cob nous dépenser bon moun nan li gen nan moun yo prend 3 000, gen ki pran 3 400, 4 000, gen ki même arrive pran 5 000. Parce que yo konnen ke yo pa pran kòb vre, yo konnen kòb yo pran, yo pa ka pran lòt kòb ankò. Sa vle di yo mandon kòb yo tou de la Turquie, de Brésil, de Mexique. Et puis au final, pi lò rive gen nan yo ki tou bloke sou telefòn, si yo mete nan kay, yo tou ki bezwen yo teye, pi yo pa. E gen nan yo tou gen nan ajans yo, kwa mwen ajans pa nan sa Ayiti rete menm, se do men ki rete pa fini. Il te vre ba yon moun. Mon niveau il voit me là dans 3 jours m'la ka mon là ka la son ka était pour craser blanc vin yo craser ka la pour refaire avait dit m'vin dans combien jours dans la rue abdomen dans la rue c'est étranger ka bon ti la dormi jusqu'à ce que nous pas qu'avant nous vin faire résidence mais fait travail pour nous ka payer kay bon là nous vin jeune à travail pour nous payer kay comme là pour nous passer même ou pas payer kay ou pas payer bill yo vin monter. Nous ne sommes pas capables de travailler. Et dans le moment, l'immigration a un bon problème. Depuis que nous avons kidnappé 8 types d'Haïti, nous parlons de nous même, nous parlons de Haïtiens même. Donc vous voulez dire qu'après que nouvelle que vous avez kidnappé 8 ressortissants, 8 citoyens turcs en Haïti, ça a affecté oui. Nous? Ça a arrivé sous nous mal? Oui, ça a affecté nous beaucoup. Qui gens ça a affecté nous? Bon, ça veut dire les travail, on dit mais haïtien yo mais kidnapper yo, y a voye kou sou nou, sou ta travail nan travail la yo revoke. C'est quel grand travail qui prend noir. Et si yo dès qu'on prend 10 noir, notre travail qu'on a ka prend 2. Qui fait on prend 2 même parce que c'est gros boîte, gros sac, c'est nous yo fait lever qui fait quitter nous. Après tu travail léger comme si ba yo pas mettre noir là encore. A dit depuis l'offre qui t'a petit yo, n'a mal passé. Ça fait ouais, dans moment que on a arrêté moun depuis te dans la rue. Yo mando pièce au cobre ou bagay yo kito ou konnen la c'est celle syrien pakistanais dit qu'on a arrêté arabe dit qu'on a arrêté la tiki qu'on a nous entrer dans bay ça à cause des frères qui t'a arrêté tiki white nous vient la passer pour même mon aveu. D'accord, est-ce qu'on a dit nous combien dans nous qui dans moment là dans zone kotoya dans quartier kotoya dans ville kotoya là ou dit nous qu'au Istanbul c'est Istanbul ou y est tout même dans moment. Oui, Istanbul mieux tout. Combien nan nou ki la? Bon, nan ville kote mi a simplement gen 350 moun ki inscrit nan vol humanitaire. Et lot zon yo gen plus moun toujou. Ou gen plus ayisyen nan lot zon yo. OK. Oui. Vol humanitaire wap pale de li a, c'est organisation ça qui est OIM qui supposé aider nous retourner, c'est ça? Oui, la paix de nous retourner mais konnen nou gen problème à l'état haïtien qui te dit 7 juillet pas qu'il de nous entrer parce que Haïti a pas chaud, il est obligé de voir parce que
Donc je vois juste 28 juillet et qui est trop loin pour nous. Salaman de l'État haïtien qui était carré l'OIM Haïti a pour OIM Haïti a prend contact avec OIM ici a pour faire bagaille. Pour ce qu'a fait voilà même c'est le 15 ou bien le 20 mais 28 là trop loin pour nous n'a pas ces misère là. Nous pas prendre la rue, nous pas travailler. Là c'est quatre blancs qui dans résidence là avec nous pas faire cap charité nous timo se manger reste manger pour manger. Qui pas et nous pas habiter ça bail ça. Comprendre? Nous comprenons. L'audio parle avec l'État haïtien. À qui est-ce? À qui est-ce vous parlez? C'est dans le téléphone ou parlez avec mon l'État, qu'on est l'État haïtien. À qui est-ce exactement qu'on parle qui dit que nous pas qu'à entrer le 7 juillet? Les OIM ici arrivent, nous disent c'est pas fait. Nous tout c'est pas fait. Yo, tout va être fini. Conclu pour nous dans le 7 juillet. Haïti, c'est l'État haïtien qui dit non. Il va pas recevoir nous 7 juillet parce que 7 juillet a bien manifestation. A bien série bagaille, il va essayer d'avancer pour l'autre date. C'est ça que vous dites, c'est l'État haïtien qui bloque. Ok, mais pour nous là, et si l'État haïtien t'a dit où, alors c'est pas ça le dit non, mais nous faisons une petite analyse. Nous entrons pour contre nous entrons en privé, son voyage privé que nous faisons, c'est pas l'État qui vaut et nous Turquie. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous là, pour que ça, c'est l'État qui nous a demandé pour faire nous retourner. Bon, qui fait c'est l'État la mandé pour faire nous tourner, c'est parce que tout si ça nous dégage comme confrère sur Dia, grand nous vend tout ça nous dégage parce que pas rien n'a pas fait, qui pas fait ticket déjà pour tourner Haïti. Là nous arrivons par exemple, nous devons passer Belgique devons faire un voyage de 500-600 dollars américains. Pour la Belgique fermé, il pas bon nous transit encore. Nous devons passer la Russie vient guerre, il pas bon vous, il vient pas qu'à aller ce domaine. C'est celle Colombie qui bon nous passage. Mais à ce moment-là, il y a 1600, 1800. Et nous ne pouvons pas comme ça pour nous aller. Si dans 500, 600 gens, là aussi qu'on fait avec Belgique, alors si l'État ici est à bon côté pour nous dépasser dans un type pour 500, 600 dollars, donc il nous a résilié, nous, fait pas nous vendre à Haïti, n'importe qui n'a pas allé. Ça veut dire que c'est l'État qui veut voter nous, la série pour nous faire tourner. C'est parce que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas et nous mourir parce que. Quand même, nous utilisons payons nous quand même. Parce que ce sont pas que professionnels nous y est. On pas que universitaires. C'est parce que là quand nous pas ban nous, mais nous pas qu'avec le pays là. On va nous faire un pays à cap souffrir là. Nous comprenons très bien. Donc moi comprendre qu'on y a là, vous expliquez ça bien pour moi qu'on y a là. Pour nous retourner, donc c'est route que nous fait pour nous retourner à qui difficile, qui coûtait toute courbe ça. Moi comprenons très bien. Maintenant, l'État ici attendo ou même personnellement. Et à qui est-ce que vous voulez adresser et qui soit qu'à dire? Message direct à moun qui voulait parler avec vous pour aider dans la situation qu'il y a là. Bon, à qui moun da doit adresser? Comme pays avec un président, c'est un premier ministre. Qui aime qu'on ait son père de famille et puis son chrétien tout, c'est un adventiste. Parce que tu as connu qu'est-ce qu'on s'y dit? Ils ont colon petit qui a souffert dans le pays. Essayez de faire j'en connais, puis mettre à qui OIM Kaïti a pour OIM ici a faire vol là, plus vite possible, avant 28 à 28. Il n'est pas bon pour nous parce que quand nous sommes malades, à cause de nous n'avons pas pris dans l'hôpital. Et nous avons besoin de prendre pour nous venir prendre l'hôpital. Ça veut dire, pour Ariel Henry, s'il vous plaît, Premier ministre, qu'on nous attende nous et qu'on nous garde tout ça. Autant de bâillons, et ce n'est pas nous qui avons fait mentir. Il y a n'importe quel envoi spécial pour venir mener enquête comment Frère Axelio a souffert maladie. Ça veut dire, pour faire un genre. Pour yon ka fè OIM, parce que c'est l'espoir OIM nous gè la. Là, yon l'autre espoir encore même. C'est l'espoir OIM pour qui fè vol la. Parce que OIM la, qui a fait tout donner, la fè premier vol la 350 moun. Deuxième vol la fè 350 moun encore. Ça veut dire que yon a pas 700 moun qui t'a inscrit pour vol. Yon fait, mais c'est l'État haïtien qui te campé vol la. D'accord, nous comprenons très bien. Bon, mande nous, parmi nous, gen femme, gen mesdames qui ensemble avec nous. Gen fi, gen femme avec nous, gen ti moun, nous avons ti moun qui t'a pris l'état là, c'est petit nous, c'est petit. Gen moun qui ti moun, yon moi, gen moun qui gen de ti moun, pendant entre la, qui gen yon ti moun, avec dit gen en pile fi là. Gen pile fi côté nous hier, et nous tout côté nous était majorité. Gen pile fi go vote là, tout qui pas voulu accoucher ici, parce que yon pas bon soin, vrai. Yon pas bon soin. Oui. Décris-nous où jouent les gens dans le pays Turquie. Ça après 18 ans. L'offre dit, si mon ici, ça après 18 ans, il y a un bon passeport. Si mon ici, c'est Turquie et il va quitter à la veille. Il va quitter à la veille parce que son ticket, il va pas à la veille. Tandis que là, il y a besoin de l'eau, il va aller.
Moi, je comprends très bien. Ok. Et qui est-ce nous qui a décrit une journée que nous avons passé? Par exemple, je dis à nous lever dans le matin, qui ça nous fait? Et qui j'en journée a passé pour nous? Jean-Jacques, expliquez-moi, qui j'en journée a passé pour nous? Matin, nous lever, qui ça nous fait? Qui ça nous mange? Côté n'aller? Bon, nous levons dans le matin, bon, nous allons mettre ensemble, si par un sapé écrit, des votes, comme il fait maintenant, nous allons mettre ensemble chaque monde, nous allons faire des spaghetti. Bon, comme c'est ça, on ne pas cher dans le pays, hein? Nous allons faire des spaghetti pour manger, pour dormir, pour jusqu'à demain. Si parfois, il y a des blancs dans la cour, il y a des bons tibas, nous allons faire des souper, mais ce n'est pas grand chose. Un petit pain, un petit pain, avoine, parce que. On va acheter viande ici, on va acheter zir ici, on va se barrer au cher. L'huile encore, c'est cocaïne ici. Nous comprenons. Écoutez, nous, il y a un blanc ou dit qui était. Qui Jean Blanc recevoir nous? Nous étions avec Blanc, c'est la caillou nous. Bon, Blanc, c'est immigrant. Parce que nous étions dans la résidence côté au fait pour immigrants même. Parce que nous avons un Syrien là, nous avons un Arabe, Pakistanais, Africain, là, nous avons un Camerounais, on ne peut pas. On dans le monde, ça veut dire que nous sommes obligés de vivre comme un frère et c'est parce que nous sommes là pour la même cause. Même les nous pas le même traitement parce que nous sommes blancs, nous sommes traités au pire, mais quand même, nous soutenons nous parfois. Nous comprenons, donc c'est comme nos centres de réfugiés que nous sommes là. Il pas réfugié parce que c'est payé, nous payer chaque mois. Ah on nous paye pour nous être côté nia. Oui, payer chaque mois. 300 dollars américains chaque mois. Ok, il y a nous qui jouent comme ça, qui vient nous jouer comme ça. C'est famille qui vous le banou, famille en Haïti qui vous le banou. Mais comment nous faisons? Les nous prenons des prisons, la vie, ils ont des chambres qui sont salon. Nous obligés de faire quoi ces prisons? Nous obligés de mettre un paquet de là-dedans, l'un sous l'autre, juste pour nous, ça a 20 dollars, ça a 10 dollars, juste pour nous compléter ensemble, nous faisons 300 dollars. Mais nous toujours bon pressé, nous sommes 4 mounes, 5 mounes qui sont là. Mais nous obligés de violer la loi quand même, parce que nous obligés de mettre, par exemple, on kay konsa m konn amdou nou konn 17 la dan nou konn nou 10 la dan nou konn nou 15 la dan nou obligé parce que nou pa ka paye nou 5 ou 6. Nous comprenons très bien. OK messieurs, m'a demandé nous messieurs, nous quitter Haïti, nous vin nous quitter Haïti messieurs, nous vin Turki, n'a cherchons la vie meilleure, nous comprenons ça, nous te vle souhaiter vin aux États-Unis. Nous gen profession nan men nou à l'école, nous fait université. Oui, nous gen profession, gen agronome là, gen ingénieur. Moi, je suis en construction. Soit dit. Je fais tout ça, je ne prends pas de métier dans le domaine. Dans la construction. Pour faire construction, ok. Donc, nous avons un métier dans le domaine. Oui. Donc, c'est pour. On nous dit. La vie pas bon ou bien sécurité, nous quitter Haïti? Pour la vie pas bon nous quitter Haïti ensemble avec insécurité, mais dans le moment zone côté nous sorti à insécurité a pas trop de problème. Ça veut dire c'est la vie chère. Nous t'a courir derrière mais sans cela la venir là, préférer nous la caille nous et dans le moment la gain manque. Même si nous pas joindre manger seul mais nous ca manger manque nous prendre de l'eau nous rester. Maintenant oui, parce que n'importe façon, il a caoué, n'importe façon, il a besoin de monde qui peut tourner même 50 gouttes même dans le moment. Nous comprenons, c'est ça, nous devons retourner la caille. Ouais. D'accord. Je garantis que le message a passé. Et c'est sûr que nous parlons là et le message a privé dans les oreilles, monde pour le river. Jean-Jacques, dis-nous qui j'en fait ouais. Joindre nous. C'est sur Internet qu'on joigne connexion, contact ensemble avec nous. Bon, moi, joindre nous, c'est pas un cousin. Carlos. Carlos Augustin, mais lui-même, c'est agent consulat dominicain Santiago. Consulat ici, qui Santiago, c'est pas lui-même passé pour me joindre numéro. Parce que c'est lui-même qui a pris le boule de bombe, aide pour me retourner. Il n'y a pas de moment parce qu'il y a trois timons sous compte, maman a mouru. Qu'on est à la lédim, bon. Et c'est communiquer ensemble avec vous pour comment on a fait un message à passer pour nous. Regardez comment on a plus amélioré pour nous. D'accord. C'est sûr, c'est un message à passer. Bah nous idée ou quand ça va demander nous faire la kounia là n'a prêt téléphone non et puis bah mon idée de environnement côté nous est-ce que nous avons fait une vidéo côté nous hier bah mon idée de côté nous hier allô avec téléphone là moi là ok oui qui ça n'a pas gardé là dis nous qui ça n'a pas gardé là
on a regardé Union Park qui fait pour Timon. Là, Timon qui a joué dans la voie à côté de nous. Là, c'est au terrain de football qui fait pour Timon. Aussi pour Timon qui est dans la résistance. Avec tout le monde, haïtien, syrien, tout le monde qui est dans l'espace. Là. Avec nous-mêmes, on ne veut pas participer parce que ce n'est pas ça qui est dans la tête. Nous. C'est pas content. Très gentil ici. Si vous regardez vie ici, là, mon cher, vous avez dit que c'est un bon pays de jouer, mais pas un cob. Nous comprenons pas un cob. Dans le building, ça, c'est la nourriture, c'est dans l'appartement, ça, la nourriture. Oui, dans l'appartement, ça, dans le garde là. Non, c'est la nourriture. Allez, chaque bloc. Là, il y a un bloc A, B, C, D. Ok, nous comprenons. Donc dans la zone ça côté nous là nous identifier zone ça c'est dans ville Istanbul qui je quartier ça relé NCT Center NCT OK dans pays Turquie oui. Mais là bas nous idée de la vie température un petit genre bon là c'est même genre température Haïti oui connait dans chaleur nous gros soleil. Ok, nous comprenons. Est-ce que nous devons sortir de yon aller dans la rue? Ça, côté nous, yon ban nous autorisation pour nous sortir ou bien c'est là seulement pour nous rester? Non, nous devons autorisation pour nous sortir, c'est mon digne qui est légal, mon digne qui est limite. Nous devons qui nous avons tout. Là, c'est piscine pour nous. Pour résident. Ok, nous ne parlons pas piscine, nous font alors, nous ne parlons pas de piscine, nous descendons. Nous descendons. Nous devons descendre. Nous devons les fermer à clé. Ça veut dire que nous devons faire un peu. Ok, ça est piscine, nous gué doit aller dans piscine ça. Oui, nous gué doit aller bien. Mais dans moment il ferme, c'est après-midi là pour vous, parce que c'est qui est normal. On se fait aussi je bien. Ok, et pour manger, qui ça nous mange? Comme nous pas gagne moyen, nous pas trop quoi, mais qui ça nous mange d'habitude? Nous pas gagne moyen, c'est entre nous les parents haïtiens, Haïti votive on $20 on $30, donc j'ai changé. Nous mettons ensemble ça pas gagne nous aider. Nous faisons manger ensemble. Mais nous avons qu'il manger un bon manger. Au bon dit ce soir, ça va manger parce que pour acheter ici, il y a acheté, lui l'achète. Ok. Nous devons demander, nous parlons langue, non? Qui langue vous parlez, Turquie? Est-ce que nous parlons langue, non? Mon cher, son vieux langue. Langue, nous ne parlons pas. Langue, c'est Turc, mais nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas langue. Alors, depuis que c'est sur la tradition sur le téléphone, nous avons besoin de faire un bagage, nous faisons. Ok, expliquez-moi qui vient nous communiquer à monde. C'est sous téléphone, sous application dans le téléphone, non? C'est comme ça nous communiquer? Sous application, nous communiquons. Sous application. Ok, nous comprenons. Ok. Sous application. L'autre marché, vous mettez le téléphone dans l'air, moi, ciel là seulement, donc nous pas vraiment ouais, environnement. Ah, ok. Oui, là, Gounia? Oui, Gounia, ok. Et là, qui côtoie l'autre marché là? En dans le ça est devant la cour, on a devant la cour, portal là n'a piré là. En dans la cour nous toujours. Oui, dans la cour nous. Okay. Donc vous dites nous là ou bien l'autre nationalité ensemble avec nous. Oui, il y a plusieurs autres nationalités. Oui, faut ouais, c'est qui devant nous là. Nous comprenons. Nous on drapeau là, c'est drapeau turc là. Oui, drapeau turc là. Drapeau turc là meni. Drapeau turc là. Ok. Donc c'est là nous tout y est, nous organiser nous là, nous entendre nous. Il y a plusieurs autres haïtiens dans zone ça. On charge haïtien. C'est haïtien africain qui plus fait. Après le occasion arabe, syrien yo, mais là il y a plus noir que blanc. Il y a plus noir que blanc. Ok. Bon moi de rapport. Et de rapport. Où est-il là? Oui, nous de rapport là. Ça aide à pour tuer clan. Donc toujours dans centre, en dans centre côté nous. Oui, en dans nous toujours. Là c'est là le marché. Mais là yo pas maltraité nous messieurs, yo pas maltraité nous, yo pas fait nous abus. Yo pas fait nous abus. Simplement immigration va rentrer dans la seulement. Monsieur qui rentre là, on va pas quitter nous dedans. Il y a campé dehors, de vous sortir, il y a pas retour. Ça que monde qui va gagner kilomètre, pas qu'à acheter mon sachet de l'eau dehors. Donc, pour nous sauter dehors pour nous acheter manger ou bien de l'eau, qui j'en sais là? Bon, c'est un nom qui a papier
pour qu'il sorti quand on va un papier là ou quand même on oublie pièce en dans les pour entrer c'est on mon téléphone ou relé qui est à ville arrive vous parce que il va quitter entrer encore parce que chef plein de yo parfois ça devant portal là nous là pour la sécurité dans portal là au gain sécurité dans portal là hein. Oui, ça c'est la nouvelle. C'est gagne avec ZAM, KPV, portal là. Oui, va sortir de yon là. Aïe, ça c'est de yon sorti. De yon là. Oui. De yon là, oui. Ça y taxi yon, nous ka prenne taxi ça yon pour nan oui. N'importe qui côté. Yes. Oui, nous ka paye yon là, nan n'importe côté. Ok. Même vraiment, il intéressant pour nous ta comprendre qui j'en nous communique avec moun yon si nous pas parler langue là. Bon, nous dégager quand même sur téléphone à Kessine, au moins quoi par exemple. Ouais, là à côté nous y a nous la rue. Là c'est market côté tout immigrant acheté. Oh, qui ça nous joue dans market ça? Bon, ma montre vous. On a beaucoup de bagages. Nous jouons toute qualité bagages, mais c'est quoi qui était nous? Oui. Ou j'en tout barré net. C'est ça? Oui. Nous j'en tout barré net. Ça veut tout sauver son. On comprend. Mais bagay yo cher. Oui, bah, oh, bagay yo cher. Bagay yo cher. Ouais, c'est bagay yo ça. Ok, nous comprenons. Donc, si nous avons pas acheté là, normalement, pour nous faire manger, nous avons du riz. Nous avons du riz. Ça, c'est l'huile. Ça, c'est l'huile. Ok, bon. Très bien. Combien vous vendez? Bonne idée de prix. Bon, l'huile, ça vend 69 télé. Ouais, 69 télé. Et, ok, qui j'en convertis en américain, si nous capables de convertir ou bien en good? Bon, pour convertir en américain là, Ok, très bien. Donc moi nous circulons très bien, nous circulons très bien dans market là, yo pas mandé, yo pas posé nous question, les n'a marché là, moi mon yo nous sans problème avec. Non, c'est regardez mais nous après on bouteille de l'eau, n'a pas le payer, les n'a sorti, c'est juste pour pas passer sur l'autre bagage au contraire. Dès vous venez acheter, il pas problème. Oh, dès vous venez acheter, pas un problème, OK. Oui. Je comprends. Mhm. OK. Avant. Mais mesdames yo avec nous, mesdames yo fait manger pour nous, il y a un côté pour nous faire manger évidemment, il y a un côté côté d'habiter à nous faire manger. Et pas tout côté, mesdames et pas tout côté là. Et pas tout côté gien fille là-dedans. Et pas tout côté gien fille parce que dans ou pas gérer fille. Et là ou pas gérer fille. OK. Mais côté mesdames yo. C'est même dans faire manger. Ich werde. Ich werde mit mir gezogen. Auf den Aschte, nach Ok. Oui, je comprends. Achetez une bouteille d'eau. Bon, nous communiquons quand même. Nous comprenons combien de bio dit nous et puis nous payer. Hein? Non, mais nous comprenons quand même ça, dit nous là. Oui. Ici, là, avec toi, télé. Nous comprenons que tu bailles. Quand tu bailles pour acheter, nous connaissons. Ou bien tout connaît. Le plus souvent, ils ont toujours mis des prix barrés là. Ils ont mis des prix barrés là, ou ils ont mis des prix là. Si vous avez pour vous dire cache-pas là signifie combien de cob. Et puis vous dites combien de cob et puis vous payez. Ok, je comprends. Nous dégagez nous quand même. Donc, oui. Pour nous finir, messieurs, si vous avez l'autre haïtien qui a regardé là, qui est en Haïti, qui est en Haïti, qui est là, qui est en pays, qui est en train de nous tout, qui s'en a dit, frère, ce ça yo?
Bon, moi, m'baka chaud. L'aime de me vini, m'de qu'on a fait belle photo, quoi, j'aime trop belle côté là-haut. On a fait belle photo là sur Facebook. M'gè pour femme, y'a m'ki vini, c'est pour ça. L'aime dit au côté à Baba, y'a dit non. Pour belle photo, m'a fait, c'est vrai, m'a voulu vini. Et mais c'est là où vini, y'a côté à belle, c'est vrai. Bon, pardon. C'est, y'a côté à pas bon qui fait. M'da dit, on haïtien. N'importe côté nous, y'a moun dit, y'a fait nous passer la tiki. Pour nous faire même un jour, pas d'accord. Pas d'accord parce que vie a pas bon vrai. Pays a bel pays. À la vérité, pays a bel pays. Mais pas de soi. Ok. Moi, je comprends très bien. Donc, ce message, ça, vous avez dit, bien que pays a gagné les outils, j'ai rappelé Haïti. Nous, les pieds bois, on a l'assemblé pour Haïti. Température a bon tout, même Jacques Haïti. Oui. Mais situation, j'en, niveau de vie n'est pas bon. Nouveau devient pas bon même. Il va bon pour haïtien même. Son côté quand nous fait touriste. Ou après même nous rentrer là, nous rentrer là sans touriste, nous rentrer. Ça veut dire c'est un visa touriste là. Ça veut dire son côté moun nan gen cob, il vient bouler cob. Mais nous même c'est travail, nous vient travail. Ça veut dire là pas bon pour nous. D'accord, très bien. Donc là dans moment la caille c'est la caille, nous pas un problème monsieur pour nous donner la caille. Pour nous tourner la gueule, pour nous tourner la gueule. Parce que qui s'est passé? Est-ce qu'il y a qui parle, qui ravage Haïti, il y a une insécurité comme si c'est les gens qui fait même. C'est eux qui fait, c'est l'autorité qui fait, mais nous comprenons, nous sommes capables de vivre. Parce que même les gens qui sont dans nous, dans notre côté qui sont slow, qui sont tic ou parfois, mais nous sommes dans l'insécurité. Je connais pour nous, pour tout pression, mais son insécurité organisée, nous connais pour qui vous fait. D'accord. Monsieur Mabdi, nous merci en pile. La voix de l'Amérique VOA Creole a fait message à passer. Rappelez-nous exactement côté nous, exactement dans qui quartier, dans qui ville, dans qui pays. Bon, c'est nous pour qui t'a remercié la voix de l'Amérique, parce que pour gros bail, ils sont faits pour nous. Nous-mêmes, nous vivons dans le pays, la Turquie, dans la ville Istanbul. Istanbul, Esenyurt. Esenyurt. Nous, nos résidences qui est N-City. N-City Center. Ok. D'accord, merci en pile, monsieur. Moi, sûr que nous tous qui branchés là jusqu'à présent, nous te prenons plaisir de suivre l'émission Télé-Image ça pour journée jeudi. Une autre fois encore, nous passons un bon moment ensemble avec vous. Dépasser deux heures de temps d'émission, ça a valu la peine, n'est-ce pas? Nous sommes informés, formés, puis divertis, et nous sommes parlés là avec des compatriotes haïtiens. Nous sommes dans des situations haïtiennes, frères et sœurs, qui jambent plusieurs pays pour arriver là, Turquie, parce que ambition, rêve, c'est venir ici aux États-Unis. Un rêve qui, très souvent, malheureusement, pas arrivé réalisé par Frère Sayo, qui ont même bravé danger, prend de gros risques. Nous sommes en interview ça que Bayveroa Creole. C'était dernier tranche que nous t'ai proposé passer ensemble avec vous, dernier moment que nous avons passé avec vous, dernier ligne droite ça qui a mené nous dans la fin émission ça, la première sur une autre fois encore, parce qu'on t'a choisi Télé-Image pour nous passer un bon moment ensemble, pour informer, former et puis divertir. Merci à tout le monde. En pile dans nous, merci. Je vois des salutations, je vois certainement des commentaires que je salue certainement. Nous tous qui branchés sur page Facebook, nous-mêmes qui branchés sur page YouTube, nous tous. Merci à tout le monde qui branché à la One Badé. Merci à notre correspondante depuis la ville de Paris en France, Naomi Jean-Baptiste, qui rejoint l'équipe Télé-Image. Nous attendons Naomi Jean-Baptiste qui parle ensemble avec nous. Merci à sponsors qui permettent que l'émission ça continue à subsister, continue à porter information, porter plus d'informations, continue à ouvrir les ailes de plus côté dans le pays et à travers le monde tout. Voilà que nous avons nous en France. Merci surtout à vous-même qui était ensemble avec nous à l'ESA, qui accompagnait Télé-Image en travail là, qui supportait, qui certainement fait des donations. C'était dans nous faire, nous comprenons l'importance. Merci pour ça, merci encore une fois. C'est vraiment avec plaisir que je termine ce magazine d'aujourd'hui. Un magazine d'aujourd'hui qui a été présenté en solo, puisque nous n'avions pas la gracieuse présence de Barbara Saint-Louis. Encore une fois, on a demandé pour Barbara. Nous souhaitons que la semaine prochaine, Barbara prenne l'école pour paraître et paraître tête libre, paraître toute colle même. Et certainement, depuis nos studios à Queens, New York, on n'a pas eu la chance d'être avec Gary Altidor, notre collaborateur, qui, pour des raisons techniques, n'a pas pu être avec nous. Nous excusez-nous pour ça. De toute façon, je me suis attelé à la tâche devant ma table de contrôle et pour servir ces milliers d'internautes et de téléspectateurs qui sont branchés Télé-Image, pour servir plus passer 200 000 nanos qui sont abonnés sur page YouTube. Nous, merci pour ça. Continuez à abonner-nous sur page YouTube Télé-Image. Faites partie de cette grande famille de Télé-Image. Eh bien, nous connaissons que deux voix, nous, c'est, eh bien, répondre présent chaque fois que nous baillons rendez-vous le dimanche. Nous, là,
à l'heure en plus. C'est chaque dimanche à 9h. Bien que nous finissons tard, mais quand même, nous toujours là à l'heure précise, n'est-ce pas? Nous toujours respectons l'heure et nous respectons en même temps parce que nous prenons plaisir à informer. Sur ce, je termine et je vous tire ma révérence avec beaucoup de plaisir encore une fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Je salue tous ceux-là qui étaient branchés, les habitués surtout de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Télimage aussi intéressante que celle-là d'aujourd'hui. Bonne fin de soirée. C'est déjà une autre semaine. Bonne semaine, je vous souhaite. Et s'il vous plaît, pendant ce moment-là, passons une bonne semaine, restez positifs, gardez des pensées positives pendant la semaine. Et puis, bonne nuit, dormez bien, n'est-ce pas? En pinant, nous avons gardé dans l'autre zone dans le monde, par exemple, Naomi qui dit même en France, nous dit bonne journée. À bientôt. C'était un plaisir. Je suis Valerio, salut. Émission Téléimage ça a été patronné par Embryo Meat and Seafood Market, un supermarket 100% haïtien qui vend tout produit la caille. Bon Jean du riz grand papa, tout produit grand papa. Lalo n'a joué lambi pendant toute année à toute saison. Yo gagne un spécial deal pour tout restaurant, spécialement restaurant haïtien yo. Yo fait delivery et puis yo vend nous en gros à bon prix. Grele Cambria Meats and Seafood Market dans 718 977 1011. Yo gon spécial pour tout restaurant haïtien yo. Cambria Meat and Seafood Market. Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Paul Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by... Relais Sécurité, 305-892-0680. Ecosécurité, c'est une compagnie de sécurité moderne qui gagne des agents de sécurité bien formés, spécialisés dans la défense et protection VIP, dans la foule, dans la situation difficile et zone hostile. Bodyguard, gardiennage, Sécurité à Bausa, propre. Sécurité, dirigé par Maître Michelin Nestor. Also brought to you by HOPE, Haitian American United for Progress. HOPE cap servi communauté à depuis année 1975. Nan HOPE wap jwenn tout service communautaire pour tigre moun nou yo. Service garderie, service immigration, classe ISL. Rele HOPE nan 718-527-3776. Yo gen deux offices, yon nan Queens, yon nan Brooklyn. HOPE 718-527-3776. Also brought to you by Bo Cafe, best Caribbean cafe and food. Bo Cafe, 557 Grove Street in Irvington, New Jersey. Telephone 973-399-1699. Also brought to you by Belimage Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing and graphics designs, Belimage International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belimage Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Also brought to you by Good Taste Restaurant in Flatlands, Brooklyn. Good Taste Restaurant dans Brooklyn, c'est deuxième restaurant Good Taste qui l'ouvre dans la cour New York. Gen yon dans Queens, gen yon qui dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Restaurant ça standard, cap servi bon manger cuisine haïtienne la caille. Bon manger cap servi, toute qualité manger. Et puis nos standards international, bon qualité, restaurant belle, li propre. Good Taste Restaurant dans Flatlands, il dans 5919 dans Flatlands Avenue dans Brooklyn. Téléphone 718-709-9717. Good Taste Restaurant in Flatlands, 718-709-9717. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by Barbara'sPerfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. Barbara'sPerfume.com. Located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into Barbara'sPerfume.com. Click shop and buy. We ship all over the U.S. Barbara'sPerfume.com. 516-805-2318. Téléimage remercie tout sponsor, tout business qui patronne émission.
Pas oublier, partager live là, abonner sous page nous, suivre nous sous page Facebook nous, et puis abonner sous page YouTube nous. Téléimage chaque dimanche à partir de 9h du soir avec Barbara Saint-Louis, Gary Altidor, Valerio Saint-Louis. And see you next time, next Sunday for another edition of Téléimage.